Vous écoutez Calivision, nous sommes en direct. À l'instant, c'était un morceau intitulé Douce violence de mon enfance, featuring E.T., que vous pouvez retrouver sur le SoundCloud de Calivision. Bienvenue à tous, installez-vous confortablement, parce que ce soir, il y a besoin d'être bien assis, le sujet est grave, l'heure est grave, et on va en parler ensemble. Vous pouvez intervenir en direct via le Discord. On va d'abord présenter évidemment le sujet. Bon, je pense que vous en avez tous entendu parler ce week-end, en ce samedi 29 février, jour choisi par le gouvernement pour nous imposer le 49-3 et imposer donc leur réforme des retraites en force. Avec un bon coup de forceps, un bon coup de 49-3 pour nous imposer ça, en prétendant, hein, tout en prétendant être pour le débat, bien évidemment, hein, on arrête le débat pour le débat. Sinon, c'est pas drôle, bien sûr. Alors, je vais saluer ceux qui sont avec nous, qui nous ont rejoints. Conrad Sambon, Elena Rana, Marie Lesta qui est là, Bim Bam Boom, bienvenue à vous. Il y a également Gilet, Akayan, bonsoir à toi. Freemind qui dit, eh ben, faut pas avoir l'oreille absolue. Elle a toujours le mot sympa. Pas très fan de ma musique, Freemind. Pourtant, ben, libère ton esprit, Freemind. Dallas qui est là également, sois le bienvenu. Et on va discuter ensemble donc ce soir du 49-3. Alors, j'ai ouvert plusieurs articles, on va les regarder. Peut-être commencer par celui-là. Bon, alors, je suis vraiment désolé, c'est Valeurs Actuelles, la source, mais ils ont fait une bonne compilation de la façon dont nos gouvernants nous baladent, quoi. Hein, quand ils sont dans l'opposition, c'est attention, non, le 49-3, c'est pas démocratique. Et quand ils sont au pouvoir, c'est on fait le 49-3 pour prolonger le débat, enfin, ce genre de bêtises. Donc, on va écouter d'abord. Monsieur Édouard Philippe, Premier ministre de la France, qui nous a imposé le 49-3, qu'est-ce qu'il en pense du 49-3, Édouard Philippe? On va écouter cet extrait. C'est assez simple. Si le gouvernement choisit une fois encore à l'Assemblée nationale d'avoir recours au 49-3, c'est-à-dire un texte qui ne permet pas aux députés, qui sont pour ou contre le texte, ils sont députés, ils ont été élus par le peuple, ils représentent le peuple, ils essaient de représenter le peuple, qui ne leur permet même pas de discuter le texte. La sanction automatique, qui est d'ailleurs prévue par la Constitution lorsque le gouvernement refuse la discussion aux députés, c'est évidemment le dépôt d'une motion de censure. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Vous savez parfaitement d'ailleurs, le 49-3, ça n'a jamais été une arme destinée à museler l'opposition. C'est une arme destinée à museler la majorité. C'est quand le gouvernement n'a pas de majorité à l'Assemblée, quand il n'est pas sûr de faire adopter un texte par l'Assemblée, qu'il utilise le 49-3. Bon. Voilà, vous l'avez entendu, hein, c'est quand un gouvernement est contre sa majorité qu'il utilise le 49-3. Alors là, ce qui est particulièrement savoureux, si j'ose dire, c'est que justement, le gouvernement avait la majorité. Le gouvernement a 300 députés en marche qui vont voter le doigt sur la couture ce texte de la réforme des retraites. Donc pourquoi imposer la chose en 49-3? Pourquoi ne pas laisser le débat aller jusqu'au bout? Alors l'opposition, certes, a déposé beaucoup d'amendements. Ils sont rentrés dans ce qu'on peut appeler une guérilla parlementaire où, en mettant plein d'amendements sur la table, on rallonge la durée des débats, on oblige le gouvernement et la majorité à parler de certaines questions qui peuvent être estimées comme importantes, hein, comme voilà, la pénibilité, l'âge pivot, l'âge auquel on va partir réellement. Est-ce que ce sera une retraite par capitalisation, cette retraite par points? Est-ce que c'est pas justement la porte ouverte à des retraites privées? Voilà, ces questions-là, évidemment, se posent, enfin, c'est plus qu'elles se posent, elles sont fondamentales, elles sont très importantes, comme je l'ai rappelé dans l'émission de samedi soir. J'ai fait une émission un petit peu, un live un peu à l'arrache samedi soir pour parler du 49-3, parce que
Ça me paraissait absolument fou que le sujet soit déjà en train de passer en quatrième, cinquième sujet derrière coronavirus, 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 coronavirus. Voilà, on n'en parle que de ça. Et le 49.3 est passé un peu comme ça. Donc je me suis dit, non, je ne peux pas rater l'occasion. Il était tard, mais j'ai quand même fait un live. Et donc, j'expliquais ça, que cette réforme, effectivement, personne, personne n'en veut. Absolument personne ne désire que cette réforme voie le jour. Elle n'a pas été... dans le programme de Macron. Macron, en octobre dernier, nous disait encore que cette réforme ne servait à rien, qu'elle ne serait pas utile et que ce serait hypocrite, hein, c'est le mot qu'il a utilisé, que ce serait hypocrite donc de demander aux Français de travailler plus longtemps, alors qu'on sait bien qu'aujourd'hui, dès qu'on a 50-55 ans, ça devient très compliqué de trouver du travail. Donc effectivement, c'est absolument, absolument ignoble de faire exactement le contraire de ce qui avait été dit, et en plus de le faire en 49.3, c'est-à-dire en plus on écrase la démocratie parlementaire, la représentativité parlementaire avec ce 49.3. Tiens, on peut en écouter un autre, hein, c'est Bruno Le Maire. Qu'est-ce qu'il pense du 49.3, Bruno Le Maire? Je suis curieux de le savoir. Il va sans doute nous dire que, après tout, quand on a un texte important, eh bien, on n'a pas à hésiter à utiliser le 49.3, parce que c'est ce qu'ils viennent de faire. Qu'est-ce qu'il en pensait en 2016? Bruno Le Maire du 49.3. Quand on est obligé dans une majorité d'utiliser un instrument aussi brutal pour un texte de loi aussi creux, bah ça sent la fin de règne. Ça sent la fin de règne. Ça sent la fin de règne. Ah bah tiens, c'est marrant parce qu'il y a quand même une petite odeur de fin de règne, hein, du côté de Macron depuis un an et demi maintenant, mais là ça risque de prendre une autre tournure puisque c'est évidemment de ça qu'on va parler ce soir, hein, enfin si vous en avez envie bien sûr, mais c'est évidemment le sujet fondamental, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce que nous citoyens allons-nous faire pour protester contre ce 49.3 au moment où les rassemblements de plus de 5000 personnes sont interdits en France, au moment où le coronavirus paralyse tout le monde, hein, s'il y a bien une paralysie, c'est celle-là. Donc, il faut quand même rappeler aussi le contexte, hein, contexte d'épidémie, de pandémie de coronavirus, dont on nous parle matin, midi et soir depuis, depuis maintenant deux mois, quoi, depuis début janvier. Donc, dans ce contexte-là, effectivement, quelle marge de manœuvre nous, citoyens, avons pour lutter contre ce 49.3, pour faire valoir nos droits, puisque là, pour le coup, ça nous concerne tous, hein, qu'on soit de l'extrême gauche à l'extrême droite, on va tous, à un moment donné, pointer à la CAF pour toucher la retraite, donc ça nous concerne absolument tous, et là où il peut y avoir évidemment des différences, c'est sur quel projet de réforme on propose. Et là, ce projet ultra-libéral, sur le modèle du libéralisme européen, hein, puisque on l'a rappelé là aussi samedi, mais cette réforme des retraites, elle est demandée depuis des années par l'Union européenne, donc Macron, dans ce sens, ne l'avait pas dit dans son programme, évidemment, mais ne fait qu'appliquer les demandes, hein, comment ils disent, les recommandations, les bonnes recommandations de l'Union européenne, c'est ça, voilà, hein, c'est simplifier le système des retraites, le rendre plus transparent, mettre fin aux différents régimes spéciaux, et ça c'est demandé depuis des années par l'Union européenne. Donc c'est l'application de ça, hein. Comme on nous le disait dans le chat samedi, on n'a pas de quoi être surpris finalement. Alors on peut s'en écouter un petit dernier, c'est Manuel Valls avec Édouard Philippe qui quitte l'Assemblée pour protester contre le 49.3 de Manuel Valls. Regardez, c'est croustillant. En application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, notre Constitution qui est la règle que le peuple français s'est donné, le peuple français s'est donné à lui-même. J'ai donc décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le vote en nouvelle lecture du projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Maintenant, il faut mettre en œuvre cette loi sans tarder. Conformément à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution de 1958, j'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraite.
la responsabilité du gouvernement. Alors, je serais vraiment curieux de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ça, la responsabilité du gouvernement. À quel moment ces gens-là sont-ils responsables de quoi que ce soit, en fait, hein? C'est vraiment la question que je me pose. J'allais dire c'est hallucinant, mais en fait c'est même pas hallucinant, parce que on s'en doutait que ça allait se terminer comme ça. Ce projet est tellement tellement contestable et contesté qu'évidemment le seul moyen de le faire passer, c'est en force. Le seul moyen de le faire passer, c'est en coupant le débat et en disant bah non, ce sera comme ça, ce sera la version qu'on a choisie, et c'est tout, hein, puisque le gouvernement a fait son marché dans les différents amendements qui étaient proposés. D'ailleurs, on ne sait toujours pas exactement quel va être le projet de loi, puisqu'il y a eu deux versions qui ont été présentées. Donc voilà, je ne saurais même pas où aller pour regarder, pour trouver cette loi qui a été adoptée. C'est ça qui est assez hallucinant. Finalement, on passe le 49-3, mais pour une loi dont le financement n'est pas acté, dont personne ne veut, encore une fois, et dont le texte lui-même n'est même pas clairement défini. Donc bon, on va quitter Valeurs Actuelles et on va aller voir sur d'autres sites. Alors là, c'est pareil, hein. Donc il y a les mêmes extraits. Édouard Philippe, Bruno Le Maire, qui était contre le 49-3 il y a quelques années et qui maintenant le passe en se sentant légitime, finalement. C'est quand même grandiose. Donc on a là un article de 20 minutes, réforme des retraites, la semaine s'annonce tendue pour l'exécutif après le recours au 49-3. L'opposition parlementaire et les syndicats ont appelé à se mobiliser contre la réforme des retraites après l'annonce du recours à l'article 49-3 par Édouard Philippe. Samedi, Édouard Philippe a annoncé recours à l'article 49-3. La CGT a appelé à une réunion de l'intersyndicale lundi matin pour organiser une mobilisation cette semaine. On a appris aussi tout à l'heure que la FO avait quitté la réunion sur le financement de la réforme, sans doute parce que ils l'ont dit clairement. Alors on va regarder même leur déclaration exacte. Et ça a pas mal de conséquences politiques et de retombées politiques, ce 49-3. Donc là on a la force ouvrière. On va les prendre directement sur leur site. Communiqué de FO. Le bureau confédéral prend acte avec satisfaction de la présentation d'un projet d'accord national interprofessionnel à l'issue de la dernière séance de négociation sur l'encadrement le 28 février. Conclu dans un contexte difficile sur l'opportunité même d'un accord interprofessionnel, le projet de texte soumis à signature concrétise plusieurs mois de négociations entre organisations syndicales et patronales. Les principaux points de ce texte sont une définition de l'encadrement, définition élargie à la définition de l'OIT, le maintien de la prévoyance obligatoire cadre et la préservation du rôle des missions de l'APEC. Cet accord est également la preuve que le paritarisme fonctionne. Il ouvre notamment la perspective de futures discussions et négociations au niveau interprofessionnel sur le numérique ou la reconnaissance du management. Si Force Ouvrière regrette que la définition interprofessionnelle de l'encadrement ne soit pas opposable aux branches, celles-ci pourront, si elles le souhaitent, définir leurs propres critères. Elle souligne... En fait, je ne sais pas si c'était exactement ça, alors je vais reprendre. Non, c'était pas ça, hein. C'était pas du tout ça, en fait, ce que je vous lis depuis 5 minutes. Bon, on va prendre sur le Figaro. FO quitte la conférence de financement. Le syndicat estime que la conférence ne permet pas de garantir la liberté de négociation. Le Premier ministre campe fermement sur ses positions dans la réforme des retraites après avoir annoncé samedi l'usage du 49-3 pour faire adopter le texte sans vote à l'Assemblée nationale. Il a adressé un courrier aux partenaires sociaux dans lequel il réaffirme sa volonté d'utiliser une mesure d'âge pour équilibrer le système. Il n'en fallait pas plus à Force Ouvrière, qui a décidé lundi de claquer la porte de la conférence de financement à l'issue d'une réunion de son bureau confédéral. Avec la conférence de financement, la solution est déjà préétablie, donc cela ne sert à rien de négocier, explique Michel Bogas, négociateur retraite du syndicat. FO déplore que le Premier ministre a, dès le départ, fixé des contraintes inacceptables, comme le refus de mesures conduisant à augmenter le coût du travail. Autrement dit, le chef du gouvernement refuse toute augmentation des cotisations. Or, comme il n'est pas question de baisser les pensions, il ne reste que le levier de l'âge pour équilibrer le régime. Ça, c'est
la technique de négociation du gouvernement. Donc il y a trois solutions possibles, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser les deux premières. Donc il n'en reste qu'une. Là, en l'occurrence, hein, le gouvernement donc refuse d'augmenter les cotisations, donc d'augmenter ce que versent les entreprises à leurs salariés pour qu'ils puissent cotiser, enfin voilà, les cotisations versées par les entreprises à leurs salariés. Donc si on refuse d'augmenter les cotisations, eh bien, il faudrait alors baisser les pensions, mais ça non plus, ils ne veulent pas. Bon, heureusement, hein, heureusement qu'ils n'affirment pas qu'ils vont baisser les pensions des retraités pour financer cette réforme, même si in fine, on l'a vu, hein, in fine, c'est ce qui va se passer, puisque quand on n'arrivera pas à financer cette réforme dans 5 ou 10 ans, on va devoir les baisser, les pensions des retraités. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, on va aller chercher Édouard Philippe et son gouvernement et dire, ben, vous avez engagé la responsabilité du gouvernement à l'époque en passant le 49-3. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, on en est où ? Vous assumez comment votre responsabilité ? Parce que c'est ça, c'est ce que disait tout à l'heure un auditeur ou une auditrice dans le chat. Je vais essayer de retrouver sa phrase. Qui nous disait, c'est Bim Bam Boum, qui nous disait « Salut à tous ». Perso, le 49-3 me touche plus que le coronavirus. Le premier va nous plomber pour 100 ans, l'autre va disparaître au printemps. C'est ça, ce 49-3, il aura des conséquences sur notre vie entière. Évidemment, il y aura sans doute d'autres réformes des retraites d'ici là. On est en droit de penser qu'elles ne seront pas forcément en notre faveur non plus. Mais ce 49-3 va avoir des conséquences sur nous, sur nos enfants et peut-être même sur leurs enfants. Donc ça va avoir des conséquences jusqu'en 2070, cette réforme des retraites, si ce n'est pas plus. Donc quand vous allez aller en 2057 réclamer votre retraite et qu'on vous sortira un chèque de 800 euros par mois, ben vous ne vous souviendrez peut-être pas que c'était Édouard Philippe qui a passé cette réforme aujourd'hui et que ça va avoir des conséquences, voilà, sur notre vie à très long terme, en fait, à très très long terme. Donc je vous lis la fin de l'article. En outre, si FO est attachée au dialogue social, elle dit s'interroger sur un cadre tendant à faire apparaître celui-ci comme un substitut au débat parlementaire. Initialement suggérée par la CFDT, la conférence de financement animée par Jean-Jacques Marette a été installée fin janvier par le Premier ministre, chargée de ramener à l'équilibre le système de retraite en 2027. Elle doit faire des propositions d'ici à fin avril. La CGT a elle aussi menacé de quitter la conférence, mais n'a pas encore pris sa décision. D'autres organisations se posent également la question. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes que les organisations syndicales se posent la question, puisque là, on leur impose la réforme, on leur dit maintenant, trouvez comment le financer. Allez, voilà, ça va être comme ça, maintenant vous trouvez comment le financer. Encore une fois, on est vraiment au sommet de l'antidémocratie, même en prenant les critères très pauvres, très faibles de la démocratie représentative telle qu'elle existe, telle qu'on la connaît, on est dans l'antidémocratie, c'est-à-dire que les représentants du peuple n'ont pas eu à s'exprimer, les syndicats dans cette négociation, on leur met le couteau sous la gorge et en fait on les force à accepter une façon de négocier, hein, une façon de faire, on les force à accepter un choix dans ce faux choix qui leur est proposé. Donc évidemment, tout ça c'est complètement autocratique, hein. C'est Macron qui décide et c'est comme ça, voilà. On a pas notre mot à dire, ça nous concerne tous, on ne l'a pas demandé, mais on n'a pas notre mot à dire et nos représentants n'ont même pas leur mot à dire puisque le texte va être voté sans eux. Donc voilà, c'est vraiment un scandale à tous les échelons, je ne sais pas comment le dire autrement, hein. C'est dramatique. Voilà, j'en perds mes mots parce que je suis, je pense comme vous, voilà, outré, pas surpris, hein, mais quand même choqué et outré que le gouvernement l'ait fait, mais de manière aussi, voilà, presque cachée, hein, de manière aussi sournoise et pernicieuse, un samedi 29 février, en fin d'après-midi, en plein week-end de vacances. Le dernier week-end des vacances pour une partie de la France. Voilà, c'est vraiment en pleine épidémie de coronavirus, évidemment, on l'a dit. Voilà, c'est... On en est là, quoi. On en est là dans notre démocratie aujourd'hui. Voilà, on a voté pour Emmanuel Macron pour ne pas avoir le fascisme, l'autocratisme, la dictature. Mais bon, là, aujourd'hui, avec la violence policière à l'égard des manifestants, l'interdiction de manifester... le passage en force d'un 49-3 sur une loi qui n'a été demandée
ni voulu par personne hein, dans la population, honnêtement. Moi, j'ai rencontré personne, j'en ai parlé avec beaucoup de gens de cette réforme des retraites. J'ai rencontré personne qui trouvait que c'était nécessaire, que c'était important, qu'il fallait la faire. J'ai trouvé absolument personne. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas quel est votre point de vue là-dessus. Mais si vous voulez intervenir pour le faire, vous pouvez le faire sur le Discord. Je vais vous donner l'adresse du Discord. http://discord.me/calivision. Voilà. Alors, il y a peut-être des petites coupures. Je sais pas. J'ai l'impression que ma connexion galère. C'est bizarre. Tous les lundis soirs, ça fait ça. Hein. Les autres jours, il n'y a pas de problème. Mais le lundi soir, il y a des problèmes de connexion qui sont assez problématiques. Puisque là, a priori, c'est en train de revenir. C'est en train de revenir. Donc, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Discord.me/calivision. Et vous allez... Et vous allez donc sur l'onglet intervenir en direct pour participer. Merci à Focono qui nous envoie un article du Journal du Dimanche. Réforme des retraites. Voici ce que contiennent les deux projets de loi. Le gouvernement a dévoilé vendredi aux partenaires sociaux le texte de sa réforme des retraites. Celle-ci se décline en fait en deux projets de loi, l'un organique et l'autre ordinaire, qui détaille les mesures déjà promises. Alors ça, Focono, c'est très cool hein, de m'avoir envoyé cet article, mais c'est un article qui date du 10 janvier. Moi, j'aimerais savoir là, qu'est-ce qui se trame dans ce projet, puisqu'a priori, ils y ont rajouté, je crois, 300 amendements. Hein, c'est ça le chiffre qui avait été donné. Donc, que contiennent ces amendements? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Voilà, comme je vous dis, je n'ai pas réussi à trouver le texte qui a été voté. Donc, honnêtement, je ne sais pas. On va regarder, on va essayer de chercher ensemble. Réforme des retraites. Alors, à quoi faut-il s'attendre avec l'application du 49.3 ? Que contient le texte adopté par le 49, avec le 49.3 ? Je l'avais là. On va regarder sur France Inter. Que contient le texte adopté avec le 49.3, article publié ce matin ? Le Premier ministre Édouard Philippe a finalement décidé d'utiliser le 49.3. Bon, on le saura, hein. Lors d'une séance à l'Assemblée le samedi 29 février, pour couper court au débat enlisé, les avancées du texte adopté reprennent la totalité des amendements de la majorité et certains de l'opposition. Ah, bah, sympa, ils ont pris quelques amendements de l'opposition. Alors, on va regarder dans le détail. Dès samedi, Édouard Philippe l'a précisé, le texte sur lequel il engage la responsabilité du gouvernement n'est pas le texte initial. De fait, 300 amendements ont été intégrés à la nouvelle mouture du texte, selon Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre des Comptes Publics. Parmi eux, des dispositions issues de la concertation avec les partenaires sociaux, comme le compte professionnel de prévention, la retraite progressive ou le congé rémunéré de reconversion de 6 mois. Selon la députée LREM Catherine Fabre, coordinatrice du groupe sur les retraites, le texte reprend en outre la totalité des amendements déposés par la majorité, notamment pour améliorer les droits à la retraite des handicapés, des jeunes, des femmes et des familles. Bon, ça reste à prouver ça, encore une fois, c'est facile de le dire, ah oui, ça va aller, ça va être très bien pour les jeunes, les femmes et les handicapés. Ensuite, il faut le prouver, il faut montrer que ça... Voilà, que c'est vrai, quoi, que c'est effectif et que dans 20 ans, au moment où on va aller retirer notre retraite, dans 20, 30, 40 ans, selon votre âge, vous ne soyez pas complètement dépouillé, hein, notamment pour les plus jeunes d'entre nous, puisque à partir de 90, vous allez prendre cette réforme complète, en pleine tête. Donc évidemment, ça vous concerne, c'est important. Et c'est d'autant plus scandaleux que ce soit adopté par 49.3, hein, qui est complètement antidémocratique comme procédé. Symboliquement, l'article 65, rebaptisé article BlackRock par ses opposants, a été supprimé, son objectif étant de ratifier des ordonnances sur l'épargne retraite. Cet article semait la confusion selon les députés LREM. Le texte qui sera adopté mardi reprend enfin certains amendements déposés par l'opposition, dont un amendement communiste pour améliorer les garanties sur la retraite des égoutiers. Reste à prendre en compte la pénibilité, une priorité pour la CFDT qui réclame un départ anticipé sur la base des 4 critères de risque supprimés, comme le port de charges lourdes ou les risques chimiques.
Le MEDEF y est farouchement opposé. Matignon repousse donc le sujet après la conférence de financement des retraites, dont l'objectif est de rapprocher les points de vue. Oui, une fois qu'on a voté le texte en force, c'est facile de dire qu'on va rapprocher les points de vue, qu'on va permettre au débat d'avoir lieu. En fait, c'est arrêter le débat, mettre terme au débat dans le but de relancer le débat. Bon, je vois pas vraiment l'intérêt. Hein. C'est pas... S'il y a un débat sur cette antenne et que je dis bon arrêtons là le débat, le but c'est pas de le relancer, c'est d'y mettre un terme. Ne soyons pas hypocrites, hein. Si on veut mettre un terme au débat et faire passer ce texte en force, il faut l'assumer. Là on nous dit non, vous verrez, on fera une conférence dont l'objectif est de rapprocher les points de vue. Donc la conférence sur le financement avec laquelle personne n'est d'accord, hein. c'est toujours le cas à l'heure actuelle. Alors, petite coupure, je crois. J'espère que ça fonctionne toujours. En cas d'accord, la réparation ferait l'objet d'un amendement prévu... d'un amendement d'appel après la conférence, selon un membre du gouvernement. En résumé, la fin des débats en première lecture n'est pas un aboutissement, écrivait Édouard Philippe dans sa lettre adressée au syndicat après le passage en force du texte. Visiblement, on a un petit souci de connexion. On va essayer de résoudre ça rapidement et de se retrouver en live dans quelques instants. J'ai lancé un enregistrement local, donc si vous entendez ça, c'est que vous entendez sans doute l'enregistrement local, parce qu'effectivement là, il y a une coupure. Alors, est-ce qu'on est de retour en direct ? Est-ce qu'on est de retour en direct ? On dirait pas. Alors, je vais mettre un tout petit peu de musique. Le temps qu'on se retrouve. Un peu de musique, le temps de se retrouver. Parce que là, visiblement, ça ne fonctionne plus. Voilà, la coupure a priori est terminée. Désolé pour le dérangement. Alors, j'ai lancé un enregistrement local, comme je le disais, donc je remettrai la version intégrale sur la chaîne demain, histoire d'éviter d'avoir plusieurs vidéos. C'est pas la première fois que ça arrive le lundi, mais ça n'arrive quasiment jamais les autres jours. Donc, je sais pas s'il y a quelque chose à faire, si je dois appeler Orange. Bon, bref. Essayons de reprendre nos esprits. Donc ouais, voilà, YouTube nous a fait un 49.3, nous dit Conrad Sambon sur Discord. C'est un peu ça. Bon, ça arrive de temps en temps, je pense pas que ce soit honnêtement. Je veux pas tomber dans la parano en disant « Voilà, regardez, on parle du 49.3 et YouTube nous censure. C'est la censure de YouTube. » Non, je pense pas honnêtement... Même si y a des problèmes de censure de la part de YouTube, hein, ça c'est clair. Et ça pourrait faire l'objet d'une émission parce qu'il y a plein de moyens de freiner la création sur YouTube, d'empêcher les créateurs de créer justement en liberté, notamment avec la propriété intellectuelle, etc. Mais bon, là, c'est pas le cas. C'était juste ma box, je crois, qui a eu un petit faux bond. Donc, on reprend cette émission tranquillement. Voilà, merci à Nijo d'avoir partagé le bon lien. Je vais d'ailleurs le mettre moi aussi de mon côté. On va se mettre un tout petit peu de musique le temps que voilà, les gens reviennent, puisque là finalement il faut retrouver le lien. Moi je vais profiter pour poster le lien à droite à gauche et on se retrouve voilà, dans quelques secondes.
Vous écoutez Calivision, on est de retour en direct. Voilà, j'ai redonné le lien droite à gauche pour ceux qui s'étaient perdus sur BFM TV. En plus, je suis enrhumé, c'est terrible. Terrible ce qui se passe ce soir. On va s'en sortir, on va s'en sortir malgré tout, je vous le promets. J'ai trouvé en passant, du coup, en envoyant le lien sur Facebook, cette image. C'est exactement ça, quoi. C'est exactement la manière dont ça s'est passé. Coronavirus, 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 toute la journée. Et puis d'un coup, ah bah regardez le 49.3. Ah là, attention, ne regardez plus. Coronavirus, coronavirus. 2 morts en France, 3 morts en France, etc. etc. Voilà, c'est toujours la même chose, quoi. On utilise, alors sans tomber dans la parano totalement conspi de « ils ont créé le coronavirus pour faire passer le 49.3 », non, évidemment que non, c'est pas du tout ça qu'on dit, mais c'est que le moment est bien choisi, hein. Voilà, le moment est bien choisi, c'est le moment où il y a une psychose nationale sur le coronavirus qu'on fait passer comme ça, en samedi après-midi de fin de vacances, le 49.3, tout en sachant bien que les médias vont surtout parler du coronavirus, et finalement, relativement peu du 49.3. Donc je trouve que cette image est assez représentative de ça, hein. C'est vraiment voilà, c'est exactement ça. Et oui, il était là Charlie, regardez, hop là, vous l'avez vu, mais non, on l'avait plus vu, et voilà, il est là, le 49.3. Donc on va continuer à en parler. Je vais vous permettre d'intervenir en direct si vous le voulez, si vous avez envie de discuter avec moi de ce sujet. Cette semaine, on parlera aussi demain, j'espère que mon rhume ira mieux, mais on parlera du Super Tuesday. On suivra en direct le Super Tuesday, l'élection américaine, hein, l'élection présidentielle américaine, la primaire démocrate qui est en cours en ce moment. On la suivra en direct sur Calivision pour voir qui va être le rival de Donald Trump, qu'est-ce qui va sortir de cette primaire démocrate. On en parlera ça demain soir, donc je vais pas trop en dire maintenant, c'est pas le sujet, mais je tenais à le rappeler pour ceux qui s'intéressent au sujet de la présidentielle américaine. On en parlera longuement demain soir à partir de 22h30, je pense que ça va être tout au long de la nuit. Il y a la primaire de Californie, du Texas. Voilà, beaucoup d'événements en perspective dans cette élection, mais ça, ce sera demain soir qu'on en parlera. Ce soir, on va rester sur le 49.3. Alors, il y a eu, maintenant que ça fonctionne à nouveau, le sénateur Michel Amiel qui quitte le parti En Marche, La République En Marche, à cause du 49.3, dénonçant le cynisme et l'incompétence politique. Donc, sénateur Michel Amiel... Le recours au 49.3 un samedi soir, en pleine période d'épidémie de coronavirus, presque en catimini, crée un véritable malaise entre l'exécutif et les gens. Tiens, il y aurait un politique qui est lucide là-dessus, incroyable. Le sénateur des Bouches-du-Rhône, Michel Amiel, a annoncé dimanche 1er mars qu'il quittait La République En Marche après la décision du gouvernement de recourir au 49.3 pour faire adopter le projet de réforme des retraites par l'Assemblée nationale. Il y a eu une succession de maladresses très très défavorables à une action gouvernementale fluide, a déclaré l'élu, également candidat au municipal au Pen Mirabeau dans les Bouches-du-Rhône, dont il a été le maire jusqu'en 2017. Le fin du fin, c'est le 49.3, un samedi soir, en pleine période d'épidémie de coronavirus, presque en catimini, a-t-il poursuivi. À un moment donné, la forme est indissociable du fond et ça crée un véritable malaise entre l'exécutif et les gens, a-t-il fait valoir. Dans un communiqué, il dénonce par ailleurs une décision qui relève du cynisme et de l'incompétence politique. Un bon débat parlementaire aurait, selon lui, permis d'améliorer le projet de réforme des retraites. Selon le ministre chargé des relations avec le Parlement, Marc Fesneau, interrogé sur BFM TV, M. Amiel avait annoncé il y a presque un mois qu'il souhaitait quitter le groupe LREM.
Ce n'est pas la peine de se cacher derrière des éléments d'actualité pour essayer de se justifier d'un départ d'un groupe. Plusieurs députés ont pris une décision semblable ces derniers mois, comme Valérie Petit du Nord, qui n'avait pas obtenu l'investiture à Lille, ou Annie Chapelier du Gard, qui de son côté ne se reconnaît plus en rien dans le mouvement macroniste, mais reste apparentée au groupe majoritaire. À l'Assemblée, le groupe LRM a enregistré depuis le début de la législature en 2017 une dizaine de départs secs et quelques passages de membres à part entière à apparentés. Donc effectivement, ils étaient, je crois, 310 ou 312 au début, et ils sont plus que 300, hein, les parlementaires macronistes, les parlementaires La République En Marche. Donc voilà, ça se réduit, hein, comme un parti godillot dont les membres sautent les uns après les autres. Il en reste quand même une majorité, hein, puisque 300 parlementaires, ça suffit pour avoir la majorité, mais on se rapproche d'une situation où LREM pourrait ne plus avoir la majorité à l'Assemblée si ça continue à ce rythme-là. Et effectivement, le 49-3, peut-être qu'il y a certains députés qui se disent, hein, députés de la majorité, j'entends, qui se disent, bon, on avait la majorité, on allait voter le texte, quel est l'intérêt là de faire un 49-3, de refuser ainsi le débat sur une réforme quand même très très importante et qui, voilà, avec laquelle personne n'est d'accord. Encore une fois, je me répète, hein, mais personne n'est d'accord avec cette retraite. Elle est imposée de manière non démocratique, tout simplement. On écrase les représentants, on écrase le peuple et on fait cette réforme des retraites au nom de l'Union européenne, enfin au nom, je ne sais pas, mais en tout cas sous l'impulsion et sous l'obligation de l'Union européenne, puisqu'il faut le rappeler, c'était dans l'égopé, les projets de l'Union européenne, donc les recommandations, comme on dit, hein, imposées aux différents pays d'Europe. Effectivement, cette réforme des retraites, elle était voulue, demandée par l'Union européenne. Et il faut quand même le rappeler, il y a 15 ans, on s'est prononcé sur l'Union européenne, le peuple de France, il s'est prononcé. Il y a 15 ans, en 2005, il a voté non à la Constitution européenne, il a voté non aux politiques ultralibérales, au libéralisme à tout craint. Le peuple de France, le peuple hollandais, le peuple irlandais ont tous les trois, à un moment, voté non à cette Union européenne. Pourtant, aujourd'hui, on nous l'impose. Donc, le titre de cette émission, j'y arrive, hein, au bout de 40 minutes et une coupure, on y arrive. Mais effectivement, nous ne sommes pas en démocratie. Nous ne sommes pas en démocratie et nous sommes même dans finalement, aujourd'hui, la dictature. La dictature de Macron et la dictature du pouvoir. D'ailleurs, le titre n'est plus bon. Heureusement que j'avais fait un live samedi pour parler de ce 49-3, mais là, on va changer le titre. Donc, nous ne sommes pas en démocratie. Hein. C'était ça le nom de l'émission. 49-3. Voilà. Radio libre. Ouais, et la coupure, du coup, je suis obligé de remettre le titre. Le hashtag, c'est 49 alinéa 3. Voilà. Désolé, hein, du coup, pour le souci technique. J'espère que tout le monde a retrouvé le bercail, a retrouvé l'émission. Ouais, ça arrive malheureusement. Des coupures de ce style. Là. Du coup, je ne sais même pas si on est encore en live. Oui, je crois qu'on est en live sur Facebook. Hein. Salut à ceux qui nous écoutent sur Facebook. Les pauvres, ils nous parlent parfois sur le chat et je regarde même pas. J'en suis désolé, mais... Je peux pas suivre tous les chats en même temps, donc voilà. Bon, a priori, ça lance sur YouTube. Ouais, je sais pas si là on est en live sur Facebook également. Alors, je vois qu'il y a du monde. Je vais lire un peu ce que vous nous dites. Sur. Ouais, c'est bon. On est en live aussi sur Facebook. Mais oui, ça fonctionne. Très bien. Donc, si vous voulez absolument commenter l'émission, il y a deux moyens à privilégier. C'est le Discord, évidemment, pour intervenir en vocal ou à l'écrit. Et effectivement, également, le chat YouTube que je suis plus que le chat Facebook. Même si, voilà, vous pouvez suivre évidemment l'émission aussi par Facebook. Je lis les commentaires, mais plutôt après coup, hein, plutôt après coup en général. Donc, voilà, pour les lives, on dirait qu'on est bon, on dirait qu'on est là. Alors, comme j'ai déjà dit beaucoup de choses pendant l'émission de samedi sur le coronavirus, j'espérais avoir vos interventions
en direct pour qu'on puisse en discuter ensemble sur le Discord, hein, discord.me/Calivision. Je vais mettre le lien ici. Et je vais lire également ce que vous nous dites sur le chat pour avoir vos réactions. Mais j'aurais bien aimé parler avec vous directement parce que voilà, j'en ai parlé samedi, j'étais un peu en roue libre et honnêtement assez déprimé par la nouvelle. On a discuté un petit peu avec Mani Hera quand même samedi, mais j'espérais que ce soir il y ait du monde qui intervienne. On ne choisit pas d'ailleurs les gens qui interviennent, hein, c'est toujours finalement assez random. Et encore des coupures, hein. Vous voyez, c'est pas encore tout à fait réglé. Alors, je lis ce que vous nous dites. Hein, moi, je qui fais la pub pour son site de Gilets jaunes. Elena Rana qui nous dit « La France n'existe plus en tant que telle. Elle est absorbée par l'Union européenne. » Dallas qui nous cite Sarkozy « Nous irons vers un nouvel ordre mondial et rien, je dis bien rien, ne pourra l'empêcher. » Il me semble que la phrase exacte, c'était « Nous irons vers un nouvel ordre mondial » et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Il me semble que c'était plutôt ça la phrase. Après là, on cite de mémoire tous les deux, donc pas sûr d'avoir la phrase exacte. Mais après, voilà, nouvel ordre mondial, bon, c'est une expression. Qu'est-ce qu'on entend par là en fait? C'est quoi le nouvel ordre mondial? Qu'est-ce qu'il faut définir? Parce que juste l'expression nouvel ordre mondial, en soi, je crois qu'on y est déjà, on vit dedans, on est dans une Union européenne qui a adopté tous les codes du libéralisme, tous les codes de l'économie américaine, qui défend ça bec et ongle. Et effectivement, on est dans ce nouvel ordre mondial. Pardon, on y est, on vit dedans depuis 10 ans, 15 ans. Donc je ne sais pas, même plus. Donc je ne sais pas exactement ce qu'on entend par nouvel ordre mondial, si on entend quelque chose de vraiment nouveau. C'est ça que je veux dire. Je ne vois pas vraiment ce qu'il y a de nouveau dans le nouvel ordre mondial. Alors, on a Gatos qui nous dit « Cali, excuse-toi d'avoir sous-estimé le coronavirus. Tu nous dois des excuses !» Alors, très bien, je m'excuse. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Je m'excuse d'avoir sous-estimé le coronavirus. Je crois qu'en plus, j'en suis victime là en ce moment. Je suis très enrhumé. J'ai un peu de fièvre. Ça se trouve, je vais mourir du coronavirus. Donc voilà, comme ça, les excuses seront totales, hein, puisque je serai mort après m'être moqué. Non, là où je ne m'excuserai pas par rapport au coronavirus, c'est sur ce que j'ai dit sur les médias, puisque finalement... Ben, les médias n'ont fait que confirmer ce que j'avais dit, c'est-à-dire un emballement psychotique, on pourrait presque dire, paranoïaque sur le coronavirus. Et effectivement, il y a eu plus de morts de la grippe que du coronavirus pour l'instant. Donc, ce que j'ai dit par rapport au traitement médiatique du coronavirus tient toujours. Par contre, effectivement, là où je m'excuse, si vous voulez que je m'excuse. Mais effectivement, je ne veux pas... faire croire que ça ce n'est pas grave. Il y a eu quand même 3000 morts, c'est quand même voilà, des milliers de personnes. La Chine a été bloquée, aujourd'hui la France est sur le point d'être bloquée également, donc ça a des conséquences assez terribles. Mais dans quelle mesure est-ce que c'est le virus et dans quelle mesure est-ce que c'est la psychose autour du virus? Donc là-dessus, voilà, je pense que j'ai pas d'excuses à donner, au contraire en fait, hein, dès le début j'avais dit que les médias en faisaient beaucoup trop, et effectivement aujourd'hui la psychose elle est complète, et au lieu de faire ce qu'il fallait de manière raisonnable, et ben on est dans une psychose absolue où le virus se répand. Donc c'est vraiment on est vraiment dans la débilité intégrale. Elena qui dit arrête, tu ne mourras pas d'un rhume. Bon, j'espère que je ne mourrai pas d'un rhume, hein. J'espère que c'est pas... Non, mais de toute façon, je suis jeune. A priori, 80% des gens s'en sortent, donc il n'y aura pas de souci. Enfin, s'en sortent sans aucun problème. Johnny qui dit 3000 morts sur 90 000 personnes infectées. Donc, bon, voilà. Arrêtons de parler du coronavirus. Moi, honnêtement, ça me fatigue de parler du coronavirus. Ça me fatigue à un point qui est terrible. Donc, voilà, je m'excuse pour ce que j'ai dit. J'arrête d'en parler. Je n'en parlerai plus, tout simplement, puisque j'ai fait juste une émission sur le sujet il y a un mois et demi. Mais voilà, je n'en parlerai plus. Je vais laisser la maladie passer et on fera le bilan à la fin, une fois que vraiment ce sera terminé. Et on verra à ce moment-là qui s'excuse. Mais ouais, je suis assez consterné par le traitement médiatique. On peut regarder, on peut faire encore le test, hein, sur Google Actu. Je l'ai fait la semaine dernière, on le refait, voilà. Coronavirus, 191 cas en France, 61 cas supplémentaires. Coronavirus, un nouveau décès dans l'Oise.
Erdogan, ah, on parle quand même un peu d'Erdogan. Procès Fillon, ah, coronavirus. Et évidemment, l'affaire Griveaux. En France, réforme des retraites, on nous en parle un petit peu, puis coronavirus, évidemment. Donc, bon, ça commence à se réduire un petit peu. En tout cas, ça reste quand même la une avec des dizaines et des dizaines et des dizaines d'articles publiés chaque heure pour nous tenir au courant de l'évolution de ce coronavirus. Voilà, moi, ça me fatigue. J'ai pas envie d'en parler, donc j'arrête d'en parler, tout simplement. Revenons sur le sujet de la démocratie. Alors j'essaie de couper mon micro quand j'éternue, comme ça au moins je ne vous dérange pas avec ça. Elena me disait un truc intéressant tout à l'heure, elle disait « Je ne suis pas d'accord avec toi sur le nouvel ordre mondial ». Alors pour toi, qu'est-ce que c'est, Elena? Quand on dit nouvel ordre mondial, pour toi ça fait référence à quoi exactement? C'est ça la question que je me pose. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est quoi le nouvel ordre mondial? Est-ce que c'est une économie... voilà, la démocratie de marché. Pour moi, c'est ça que j'entends, en fait. C'est la démocratie de marché à l'européenne, c'est-à-dire un régime où ce sont les entreprises qui dominent tout, où le prolétariat n'est qu'un pion. Et où il y a une espèce de mainmise internationale, c'est-à-dire des entreprises qui sont dans tous les pays, qui sont transnationales et qui imposent leur volonté, leur dictat dans tous les pays, sans même plus prendre en compte les lois locales. Donc effectivement, tout ce qui est accord de libre marché, par exemple, ça peut rentrer en ce sens dans le nouvel ordre mondial. Tout ce qui est accord de libre échange, TAFTA, CETA, alors TAFTA ça n'existe plus, mais le CETA, l'Union européenne d'une manière générale, et tous les accords de libre échange de ce type, pour moi c'est ça le nouvel ordre mondial. Donc dans ce sens, j'ai l'impression qu'on y est déjà, on y est déjà beaucoup. Marie Eustache qui dit encore interrompu. Alors je suis vraiment désolé, hein. C'est évidemment totalement indépendant de ma volonté. Il y a des petites coupures. A priori, on est toujours en live là. Mais il y a des petites coupures, effectivement. Hélène Rana dit ça fait référence à tous les pays du monde. Oui, bah c'est le cas. Hein. Je pense qu'effectivement, il y avait une célèbre phrase qui disait voilà, la mondialisation, c'est le fait de boire du café colombien dans une tasse fabriquée en Chine avec une machine japonaise, enfin voilà, tous les éléments comme ça qui venaient de différents pays. Je crois que on y est plus ou moins. Alors peut-être que tous les pays ne sont pas encore au même niveau, mais en Union européenne, en tout cas, on le voit là, avec cette réforme des retraites. On n'a plus de souveraineté, on ne décide plus. Nos dirigeants font les vœux des BlackRock, des AXA, des grandes entreprises voilà, d'assurance privée et autres. Et nous autres, population civile, lambda, nous n'avons rien à dire. Nous votons et ensuite nous la fermons pendant 5 ans. C'est ça la démocratie actuelle et qui permet effectivement à ce nouvel ordre mondial, pour reprendre cette expression, puisqu'on est parti, là-dessus, voilà, qui impose chaque jour un peu plus ce nouvel ordre mondial. Donc bon, après je ne sais pas si c'est la bonne expression. Tu me dis oui, mais tu parles de l'UE. Oui, c'est pour moi voilà. Pour moi effectivement l'UE c'est une des incarnations de ce qu'on pourrait appeler le nouvel ordre mondial. Mais après peut-être que je suis complètement à côté de la plaque et que vous entendez pas du tout ça par nouvel ordre mondial. Mais moi en tout cas c'est l'impression que j'en ai. Et quand Sarkozy en parlait, puisque voilà, tout est parti de la citation de Sarkozy, quand Sarkozy en parlait, je crois que c'est de ça qu'il parlait. Il parlait bien de cette vision-là du monde. Palu dit « Chacun son dada, toi c'est la géopolitique blabla ». Ouais, je sais pas ce que ça veut dire. Effectivement, moi je te l'avais dit la dernière fois, mais... Palu disait « Quand nous serons tous en quarantaine, tu n'en parleras pas non plus du coronavirus ». Si, peut-être que là j'en parlerai, parce que là ça aura quand même une dimension différente. Mais on y est presque, hein. Là les rassemblements de plus de 5000 personnes sont interdits, donc les concerts, les matchs de foot, les trucs comme ça. Donc on y est en fait, hein, à l'interdiction de se rassembler, à la quarantaine quasiment obligatoire. Voilà, moi je suis un peu malade, j'ai un petit rhume, je me dis est-ce que j'ai pas le coronavirus, est-ce qu'il faut que je sorte de chez moi, est-ce que je dois rester confiné, etc. La psychose, elle est bien installée, je pense que voilà, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, c'est ce que je disais la dernière fois, mais si Macron interdit les manifestations au nom du coronavirus, on va crier à la dictature. Mais si il ne fait rien et qu'il laisse les rassemblements avoir lieu et que des milliers de gens sont ainsi contaminés par le coronavirus, on va crier à l'incompétence et au fait qu'on nous a laissé crever, etc. Donc quelque part avec ce...
avec ce problème avec cette question du coronavirus, ils ne peuvent pas bien faire, le gouvernement, puisque s'ils font ce qu'il faut pour freiner le virus, on va les accuser évidemment de dictature, etc. Alors, on a un autre argument pour les accuser de dictature aujourd'hui, c'est évidemment le 49-3, et j'aimerais qu'on revienne là-dessus, sans trop se perdre sur le coronavirus. Donc, le 49-3, effectivement, là... Voilà, le moment est bien choisi, hein, moment où la psychose est complète sur le virus. On nous sort le 49-3 opportunément pour faire passer une réforme des retraites qui n'est pas financée, qui n'est souhaitée par personne, qui va nous faire avoir moins d'argent à la retraite quand on sera vieux, qui va augmenter le temps de travail, la durée du travail tout simplement, qui va nous faire partir en retraite à 65, 66, 67 ans et peut-être même pire. Donc voilà, c'est... On en est là, quoi. On en est là en France. Après un an et demi de gilets jaunes, on nous impose de faire un 49-3 complètement abusé, quoi. Il y a une petite coupure là, je crois encore. Alors, Elena Rana dit oui, tout à fait. C'est que Sarkozy, c'est ce que Sarkozy entendait, mais sur un ordre plus large. Ça, je suis d'accord sur la façon de gérer la situation. Clisten qui nous dit en 2005 le vote du peuple n'a pas été respecté et ensuite on nous sert encore la démocratie, laissez-moi rire. Ben, c'est vrai que oui, c'est ce que je disais, hein, mais toutes ces réformes sont imposées par l'Union Européenne, et l'Union Européenne, où il y a eu le traité de Maastricht, moi à titre personnel j'avais 2 ans au moment du vote du traité de Maastricht, donc effectivement on m'a jamais demandé mon avis, en fait, hein. J'ai jamais pu m'exprimer. Moi, à titre personnel, si je prends juste mon exemple, je me suis jamais exprimé sur l'Union Européenne. Pourtant, on nous l'impose. Et il y a même un vote, effectivement, en 2005, où on a dit littéralement non à 56%. Non, on ne veut pas de cette Union Européenne-là. Reproposez-nous autre chose, peut-être qu'on le voudra, mais pas de cette Union Européenne ultra-libérale. Et Nicolas Sarkozy s'est assis, littéralement assis sur la voix du peuple pour dire non, non, mais bon... Ils croient qu'ils n'en veulent pas, mais en fait, ils le veulent. Hein. Ils ont voté à 56% contre, mais en fait, ils le veulent. Ben alors, peut-être qu'on aurait dû mettre Ségolène Royal, présidente, puisque finalement, c'est elle qui a obtenu le moins de voix, puisque c'est comme ça, peut-être, qu'en fait, ça se décide en démocratie. C'est celui qui a obtenu 40% des voix qui dirige. Hein. Voilà, donc effectivement, comme 44% des votants voulaient cette Union Européenne, eh ben, c'est légitime. Rendez-vous compte, 36% des gens sont pour cette réforme des retraites. Donc, c'est qu'il y a quand même une... grande partie des Français qui la veulent, hein, c'était Christophe Barbier qui avait dit ça, enfin, c'est ridicule, hein. c'est absolument ridicule, comment il rattrape le coup, hein. Regardez, 7% des Français apprécient Macron, hein. C'est plusieurs millions de personnes si on le ramène à la population de la France, donc oui, ridicule. Le Covid 49-3, voilà le vrai danger, nous dit Gilet, effectivement, j'ai failli appeler cette émission le virus 49-3, mais je me suis dit que ça allait être un peu... on n'allait pas très bien comprendre ce que je voulais dire. Donc, mais effectivement, le vrai virus, hein, c'est le virus antidémocratique 49-3, hein, qu'on vient de nous inoculer collectivement, là. Dallas qui dit « c'est nickel ça pour les municipales, très peu de gens iront voter, et c'est tout bénef pour En Marche, comme en 2017, élu avec peu de suffrage. Vive la démocratie !» Léonard Van de Weg qui nous dit « Eh oui, on allume un feu en douce pour l'éteindre en public. » Marie Lestat dit « Même si on vote pour le Parlement, les cadres décideurs de l'Union Européenne sont nommés. » Eh oui, ils ne sont pas élus, hein, les membres de la Commission notamment, les membres du Conseil, puisque ce sont les gouvernements des différents pays. Voilà, on a voté pour le président, pour le Premier ministre ou pour des députés, mais effectivement, ceux qui décident in fine, on ne les a pas élus et on n'est pas appelé à se prononcer sur ce qu'ils décident. Donc, c'est vrai que c'est complètement antidémocratique, hein, ça c'est clair. Je vais faire que me répéter, hein, mais il faut le dire sur tous les tons. Il faut que ce soit une évidence pour tout le monde. Nous ne sommes pas en démocratie. Nous ne sommes pas en démocratie. Peut-être que Nijo, lui qui est suisse, peut dire que lui, il est en démocratie. Et encore, même lui a des... comment dire, des problèmes avec le système suisse. Il n'est pas idéal non plus. Donc lui aussi aurait des critiques. Mais au moins, ça se rapproche plus d'une démocratie directe, comme on dit, que notre système, où on voit bien que, en fait,
nos dirigeants font ce qu'ils veulent. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Une fois qu'ils sont présidents, c'est parti. On fait ce qu'on veut et finalement, la seule marge de manœuvre que vous avez, c'est donc de voter ou ne pas voter pour nous à l'élection. Hein, c'est voilà. Elena qui dit « Sego, tu rigoles, lol. Regarde son interview sur la BBC lors du Brexit. » Non, je disais ça parce que justement, Ségolène Royal était arrivée deuxième à l'élection de Nicolas Sarkozy. Donc, si on suit la logique d'un Sarkozy qui dit que 46% des gens, 44% des gens qui ont voté contre le traité constitutionnel, c'est finalement eux qui avaient raison, donc on va leur donner raison, en s'asseyant complètement sur la notion de démocratie et de majorité, hein, et de dictature de la majorité, comme on dit. Donc peut-être qu'en suivant cette logique-là, on n'aurait pas dû élire Sarkozy qui avait obtenu la majorité des voix, mais celle qui est arrivée deuxième, c'est-à-dire Ségolène Royal. Puisqu'on en est là, après tout, pourquoi ne pas mettre Jacques Cheminade président, après tout, hein. C'est sans doute lui qui avait raison, puisqu'il a obtenu le moins de voix. Non mais on est dans une espèce de truc où en fait on va nous retourner, c'est ça que je voulais dire, hein, c'est peut-être pas très clair, mais où on nous retourne la démocratie dans tous les sens, surtout le sens qui arrange les gouvernants, quoi. Quand ça va dans le sens des gouvernants, là c'est la démocratie, quand ça n'y va pas, eh ben là par contre 49-3, LBD, flashball et gaz lacrymogène. Goron qui nous dit et la BCE, c'est la BCE, Banque Centrale Européenne, qui nous met la pression, et la Fed US. Léonard Van de Weck demande, es-tu pour le vote blanc ou l'abstention? Alors je sais pas si tu parles à Kael du chat, parce qu'il y a aussi Kael ou Kali, hein. Moi je peux te répondre, j'ai justement, alors je l'ai là, je l'ai mis où, je l'avais là, voilà. J'ai reçu ceci, je vais rallumer la webcam qui était coupée. J'ai reçu ceci, regardez. Une carte électorale incroyable. Je ne l'avais jamais eue et je viens de la recevoir. C'est ma première carte électorale. Je l'ai prise pour pouvoir participer au référendum, enfin en tout cas à la possibilité d'organiser un référendum sur ADP. Donc je l'ai prise pour ça à la base, mais je vais en profiter pour voter au municipal et puis on verra s'il y a des référendums organisés. Peut-être que j'irai voter. La présidentielle, honnêtement, si je vais voter, ce sera sans doute blanc. Mais jusqu'ici, j'étais abstentionniste. Mais en fait, j'étais abstentionniste, mais pas vraiment, parce que j'étais pas inscrit, tout simplement. Donc maintenant, si je ne vais pas voter, je serai un vrai abstentionniste. Mais avant, je n'étais pas inscrit. Donc voilà, la carte électorale, elle est là. On va s'en servir pour essayer de faire passer ce référendum d'ADP. On fera une émission, d'ailleurs, sur suggestion de Elena, qui est dans le chat avec nous, qui nous demandait la dernière fois si ce serait possible de faire une émission sur le sujet d'ADP. Donc on va le faire dans la semaine. Là, je ne sais pas encore quel jour, mais ça va être fait dans la semaine, l'émission sur... sur ADP et sur et donc sur le référendum et la privatisation, le référendum sur la privatisation d'aéroports de Paris. Donc on verra ça. On peut regarder où on en est d'ailleurs, hein. Référendum ADP, on peut regarder où on en est. Si je fais pas entrer, ça ne peut pas marcher. Je sais pas écrire référendum. En cliquant sur ce lien d'initiative partagée. Donc ça se termine le 12 mars, hein. Le 12 mars c'est jeudi prochain, pas ce jeudi, le suivant. Donc voilà, je ferai l'émission avant pour essayer de pousser un petit peu les gens. Donc là on a l'appel. Donc c'est une proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris. Combien de signatures pour ADP. Compteur de soutien validé. Aïe, aïe, aïe. On en a 1 058 000. Il en faut 4 717 000. 22,44%. C'est pas brillant. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Moi, je vais m'en occuper après l'émission, puisque je ne l'ai pas fait encore. Honte à moi, mais je viens de recevoir ma carte. Hein, je l'ai reçue aujourd'hui. Donc voilà, je vais effectivement signer cette proposition, même si là, en voyant qu'on est toujours à 22% à 10 jours hein, de la fin, puisque c'est jeudi prochain la fin, ça me paraît difficile. Donc voilà, il faut,
s'opposer à la privatisation d'ADP et on a un moyen très compliqué de le faire, c'est ça. Alors Johnny, qui lui est suisse, hein, je le rappelle, et qui donc a participé à beaucoup de référendums de ce type, nous dit « c'est mort ». Alors je vais retrouver le... Voilà, 22,44%, 1 million de signatures sur 4 717 000. Johnny nous dit « c'est mort ». Voilà, bon, si vous l'avez fait, ben voilà. Il reste 10 jours pour signer, nous dit le site, hein, c'est ce que je disais. Donc on peut voir là, l'évolution des soutiens avec un tableau. Ça a commencé très fort, puis ensuite ça s'est un peu ralenti. Il faut espérer que là les derniers jours seront décisifs. Bon, c'est vrai que non, c'est vrai que ça paraît compliqué, hein. Ça paraît très compliqué, honnêtement. Léonard nous dit « Comment les gens peuvent accepter un président qui représente 20% des 50% des gens qui ont été votés ? Aucune légitimité à la base. » Donc 4 millions, c'est énorme, hein, pour le cap, hein, à obtenir. C'est absolument énorme. Donc jusqu'au 12 mars, 4,7 millions de soutien. On a déjà fait 1 million, c'est déjà presque incroyable, quoi. Mais effectivement, non, nombre de soutiens sur moyenne de 14 jours. Soutien nécessaire, ouais, bon. Il va nous en manquer 4 millions, quoi, en fait. Hein. C'est fou. Ouais, on n'y est pas du tout, quoi. On n'y est pas du tout. Alors ce chiffre vient du site adprip.fr, soutien publié par le ministère de l'Intérieur sur le nombre de soutiens nécessaires. Donc au maximum 1 118 600 soutiens envoyés en tout. Donc ça a été mis à jour à 22h là-bas tout à l'heure, hein, ça a été mis à jour directement. Il vient d'où ce chiffre de 4,7? Je crois que c'est... 10% du corps électoral, c'est la loi, hein, qui demande ça. C'est un pourcentage du nombre électoral. Alors on va regarder un référendum sur ADP. Alors quelqu'un nous disait qu'il n'y avait pas besoin de... C'est Colomba qui disait ça, je crois. Il n'y avait pas besoin de la carte d'électeur, juste de la carte d'identité. Alors le problème, c'est que moi, je n'étais pas inscrit sur les listes. Et donc, je ne pouvais pas signer cette proposition. C'est ça, en fait. Même si j'avais été inscrit, même sans carte d'électeur, j'aurais pu le faire. Mais maintenant, je suis officiellement inscrit, donc je vais pouvoir, a priori, le faire. Je n'ai pas encore essayé, puisque quand j'avais essayé, évidemment, on m'avait dit « Non, vous n'êtes pas inscrit sur les listes. » Vous voyez, il faut recopier les informations d'état civil présentes sur votre dernière carte électorale. Voilà. Colomba dit « Je l'ai fait, je n'ai pas eu besoin de la carte d'électeur. La carte d'identité suffit, oui. » Voilà, mais encore une fois, c'est une question d'être inscrit sur les listes. C'est ça que je n'avais pas fait jusqu'à présent, puisque je n'avais jamais voté. Voilà, parce que c'est une mascarade. Mais on le voit, là, voilà, avec le 49-3. Mais qu'est-ce que vous voulez voter pour ça? C'est une blague, on se fout de notre gueule, on nous crache littéralement à la gueule. Donc voilà, je comprends pourquoi j'ai jamais voté. Hein. Là, je comprends mieux que jamais aujourd'hui. Enfin, je m'intéresse à la politique depuis que j'ai 15 ans. J'ai jamais eu le désir de voter pour qui que ce soit, en fait. J'ai envie de décider par moi-même. J'ai envie de pouvoir prendre chaque sujet et de décider par moi-même. J'ai pas envie de donner le blanc-seing à quelqu'un pour 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ça, c'est fatigant au bout d'un moment. On n'est pas des enfants, on est des adultes. On a le droit de décider par nous-mêmes. On peut réfléchir par nous-mêmes. C'est ça, la démocratie, au moins le minimum, la démocratie minimale. Mais on n'a même pas ça. On est très loin de ça même, puisque voilà, le pouvoir est entre les mains d'une petite bande, d'une oligarchie, comme l'ont dit certains, qui décide de tout. Et en fait, on ne peut rien faire.
On peut rien faire. Quand on va dans la rue, on se prend des flashballs dans la tête. Quand on va sur Internet, on nous accuse de haine, on se fait censurer sur les réseaux sociaux, etc. Regardez les Gilets jaunes et Facebook, hein, tout simplement. Donc, en fait, quelle est notre marge de manœuvre? C'est ça, là, et c'est la grande question de la soirée. Hein. Nous ne sommes pas en démocratie, donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qu'on décide? C'est là-dessus que je voulais vous entendre, et j'aimerais bien que certains d'entre vous interviennent, s'ils le souhaitent, interviennent en direct avec nous ce soir. Ma cousine nous dit « Dans 1984, George Orwell décrit ce que serait une dictature ultime. Un peuple où le langage aurait perdu toute consistance. Les mots auraient été volontairement vidés de leur sens et ne voudraient plus rien dire, comme décrire des situations diamétralement opposées. » Mais c'est aussi, comme l'a dit Édouard Philippe, le 49-3, c'est pour mettre fin à une période de non-débat qui prive le Parlement de faire la loi. Alors qu'un 49-3, c'est exactement l'inverse. C'est lui qui met fin au débat parlementaire. Comme dans 1984, les mots sont vidés de leur sens. Hein, oui, donc le débat et le non-débat, c'est la même chose, en fait. C'est ça, c'est vrai, hein, c'est dingue. C'est dingue ce rapprochement que tu fais, ma cousine, il est très pertinent. Je sais qu'on cite tout le temps Orwell à toutes les sauces, mais là, vraiment, c'est exactement ça. On est dans ce qu'Orwell avait pressenti, des dirigeants qui nous disent « Le non-débat, c'était le débat, et en fait, le vrai débat, c'est l'anti-débat. Hein, » C'est, voilà. Si vous comprenez quelque chose à ça, bravo, vous parlez à la nouvelle langue, vous parlez la nouvelle langue de ce monde antidémocratique, où la démocratie, c'est l'antidémocratie, et où la volonté de démocratie, c'est l'antidémocratie. Vous voyez, c'est... voilà. Tout est son contraire, et tout est inversé. Tout est inversé. Les mots sont vidés de leur sens, et effectivement inversés. Et tu me dis, c'est inspiré de Click TV, alors peut-être du travail de Clément Viktorovitch, j'imagine, qui fait ce travail d'analyse des arguments, d'analyse argumentaire, d'analyse des mots dans cette émission sur Click TV. Ouais, Clément Viktorovitch, super travail, Clément Viktorovitch. On a parlé de sa chaîne Politeia la dernière fois. Vraiment, allez voir ça. Hein. C'est de l'éducation populaire en barre. Il faut, se taper ça. Se taper, même pas. C'est passionnant, c'est génial. Il faut le regarder, il faut avoir conscience de tout ça. Ça, c'est clair. Je vous en mettrai peut-être un petit extrait tout à l'heure. Conrad Sambon nous dit « Mais nous ne sommes pas en démocratie, mais en démocratie représentative. » Alors oui, mais même selon les critères de la démocratie représentative, on n'est pas en fait en démocratie représentative puisque nos représentants, on vient de les priver du débat. On vient de les priver de leur droit de discuter. Donc c'est ça hein, qu'il faut retenir. Alors je vois qu'il y a Trop Fou qui nous a rejoint. Je ne sais pas si tu veux participer à la discussion Trop Fou. Est-ce que tu es là ? Alors, tant que tu allumes ton micro, je vais lire un peu ce qu'on nous dit sur le chat. Dallas nous dit « Je ne voterai plus jamais. J'attends juste que le système se casse la gueule de lui-même. Ce n'est pas nous qui changerons les choses, mais un phénomène extérieur. Faut être patient. Crash écro, crash éco, crash environnementaux. Enviro. Environnemental, on va dire. » Alors, Trop Fou, t'as allumé ton micro. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, Trop Fou? A priori, ça ne marche pas. Alors Johnny nous dit, on est à 1%, la France devrait alors demander 1 million pour avoir le même système que lui. Alors justement, c'est ça qu'on voulait regarder, hein, le nombre de demandes. RIP, donc c'est le référendum d'initiative partagée. Initiative partagée. Donc, le référendum d'initiative partagée est le dispositif prévu par l'article 11 de la Constitution depuis la révision constitutionnelle de 2008. Un référendum portant sur les domaines mentionnés à l'article 11 de la Constitution peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement. Ça, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que ce soit à l'initiative de la population, pas du Parlement. Mais bon, c'est la différence entre le RIP et le RIC, hein, entre le référendum d'initiative parlementaire et le référendum d'initiative citoyenne, c'est pas la même chose. Donc un cinquième des membres du Parlement soutenu par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Donc c'est 10%
10% des électeurs qu'il faut faire signer sur un site qui bug. Hein. Même des députés n'ont pas réussi à signer puisqu'il faut mettre ses prénoms, tous ses prénoms sans tiret ou avec tiret ou avec l'accent ou sans accent, etc. Donc, sur le million qui a signé, on peut en compter, à mon avis, au moins 25% de plus ou 30% de plus qui ont essayé mais qui n'ont pas réussi et qui ont du coup abandonné la tentative. Et moi, honnêtement, si je ne m'étais pas inscrit sur les listes, ben, je ne l'aurais tout simplement pas fait. Et je me suis inscrit sur les listes pour ça, un peu pour les municipales, mais principalement pour pouvoir voter, même si bon là je vois bien que ça va être très compliqué. Hein. Mais 10% du corps électoral, c'est absolument énorme, c'est absolument gigantesque. Voilà, on le voit bien hein, avec le référendum ADP. En plus, les médias n'en parlent pas, donc c'est ça aussi le problème, c'est que les médias nous font passer ça complètement sous silence, hein, évidemment. Parlons plutôt du coronavirus, parlons plutôt de l'affaire Griveaux, parlons de l'habitat Griveaux plutôt que de parler du référendum ADP qui s'arrête dans 10 jours. Donc voilà, encore un beau signe de démocratie que ce référendum ADP. Alors trop fou, je vois que tu es là, que tu t'agites, mais je ne sais pas, je ne sais pas pour l'instant. Alors tu nous envoies une vidéo, ma cousine. Est-ce que je peux l'ouvrir? Je vais la télécharger. Hop, on va se la regarder. Donc c'est Clément Viktorovitch sur Click. J'espère qu'on va pas se faire démonter par... Qu'on va pas se faire démonter. Ah, Gatos nous dit... J'adore. Nous sommes en démocratie. La preuve, tu t'exprimes librement, Kali. Alors oui, je m'exprime librement, mais quand l'expression n'a aucune incidence sur le débat politique, quand notre expression, en fait, reste juste ça, de l'expression, est-ce qu'on peut vraiment parler de démocratie? Est-ce qu'on peut vraiment parler de pouvoir au peuple quand le peuple n'a que le pouvoir de s'exprimer? Et encore, puisque regardez ce qui s'était passé au moment de la COP21, quand des écolos avaient tenté de participer au mouvement, de bloquer le mouvement, comment ils avaient été reçus, comment ils avaient été humiliés, comment ils avaient été arrêtés, mis en garde à vue, assignés à résidence, comment les gilets jaunes ont été traités, comment les gilets jaunes ont été fracassés littéralement. Donc la liberté d'expression, oui, je veux bien, en partie, mais c'est quand même... C'est quand même pas grand-chose quand on prétend être en démocratie. Hein. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Est-ce que le peuple a le pouvoir? Non, le peuple peut s'exprimer librement. Voilà. Mais dans quelle mesure cela va avoir un impact ensuite sur les lois? Eh bien, dans une mesure très, 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 très faible. Bonsoir à Steve Mac qui nous rejoint. Marie Le Stack qui nous dit « Le référendum est censuré par omission, on n'en parle plus. » Alors, ça va même plus loin que ça. Puisque sur Radio France, il y a même eu interdiction de diffuser des posts, donc des spots de publicité pour le référendum ADP. Donc on a la Check News, une source sérieuse, une source qu'on ne peut pas remettre en question, c'est Check News, ils vérifient l'information. Qui nous dit « Radio France refuse-t-elle de diffuser des spots pour promouvoir le référendum ADP ?» Plusieurs dizaines de parlementaires veulent créer, donc des parlementaires, hein, c'est pas des nazis ou je ne sais qui, ou je ne sais quoi, hein, a priori. Plusieurs dizaines de parlementaires veulent créer, puis diffuser, des spots publicitaires pour sensibiliser les Français au sujet du référendum ADP. France Inter a annoncé que Radio France ne les diffuserait pas, car ils pourraient choquer les convictions politiques de ses auditeurs. La direction du groupe est plus mesurée. Vous faites référence au tweet du groupe communiste, donc le tweet qui disait « Référendum ADP, scandaleux, d'emblée, Radio France refuse autoritairement et sans fondement de diffuser nos spots d'information pour promouvoir le référendum d'initiative parlementaire, pourtant inscrit dans la Constitution. Nous n'en resterons pas là, cette décision doit être abandonnée. » C'est un tweet qui date de novembre 2019, on en avait parlé d'ailleurs à ce moment-là dans une émission, je ne sais plus laquelle honnêtement, mais dans un live du lundi soir, on avait parlé de ce scandale, hein, de l'interdiction d'informer sur quelque chose qui est prévu par la Constitution. C'est quand même fou. Alors on va se réécouter l'extrait là de France Inter. Les opposants à la privatisation d'ADP veulent se faire entendre sur les ondes. Tout est inédit dans cette affaire. La procédure de référendum d'initiative partagée pour bloquer cette privatisation décidée par le gouvernement. Le nombre d'élus de tous bords mobilisés.
Et ces spots d'information donc qu'ils espèrent diffuser à la radio. Car pour l'instant, le RIP a reçu 924 000 signatures. C'est beaucoup, mais il en manque encore 3 800 000 pour faire aboutir le processus. Alors les parlementaires, bonsoir Maxence Lambrec. Bonsoir. Les parlementaires veulent se payer des pubs sur les ondes, c'est possible ? Oui, en théorie c'est possible. Le gendarme de l'audiovisuel, le CSA, les laisse faire. Mais il faut d'abord trouver l'argent pour réaliser ce clip de 30 secondes et acheter des espaces publicitaires. Il y en a pour près de 100 000 euros. Et bien sûr, les parlementaires n'ont pas le droit de piocher dans leurs indemnités. Ils doivent mettre eux-mêmes de leur poche ou solliciter leur parti. C'est loin d'être gagné. Le sénateur socialiste Patrick Kanner dénonce le deux poids, deux mesures dans cette affaire post-gilet jaune. On a claqué, permettez-moi l'expression, 12 millions d'euros à minima pour le grand débat qui n'avait aucune valeur constitutionnelle, qu'on est en train de dépenser des millions d'euros pour la privatisation de la FDJ, alors que nous, on fonctionne avec des bouts de ficelle pour essayer de mobiliser les Français. Et malgré cela, il y a près d'un million de Français aujourd'hui qui ont déjà signé cette pétition. Le premier défi, c'est donc le financement de ces clips. Le second, c'est sa diffusion. Si le ministère de l'Intérieur qui héberge cette pétition lançait une campagne d'information dans les médias, elle serait évidemment relayée. Là, les régies publicitaires peuvent refuser de s'engager dans ce débat. Donner la parole à l'opposition sur ce sujet, cela peut paraître clivant. Et je vous annonce d'ailleurs que Radio France refusera de diffuser ce clip en s'appuyant sur l'article 37 de son cahier des charges. Je vous le cite, les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions politiques des auditeurs. Faire de la pub pour la privatisation de la Française des Jeux, ça choque mes convictions politiques, réagit Patrick Kanner, qui ne veut pas en rester là et va solliciter d'autres canaux de diffusion. Merci Maxence Lambrec. Par ailleurs, des partis dont Europe Écologie Les Verts, le Parti de Gauche, des syndicats solidaires, la CGT et des ONG appellent à une manifestation le 30 novembre pour soutenir ce RIP et faire grimper le compteur des signatures le samedi 30 novembre, place de la République à Paris. Voilà pour cet extrait de France Inter. Je vous l'ai laissé en intégralité. Je pense que c'est important d'entendre ça. Voilà, le refus de faire la promotion de quelque chose qui est prévu par la Constitution, d'un référendum prévu par la Constitution, la radio publique refuse d'en parler, refuse de diffuser ses spots pour faire la promotion de cette juste demande et possibilité donc de signer un référendum pour donc interdire la privatisation d'ADP, donc aéroport de Paris. C'est ça la démocratie en France en 2020, en 2019. C'est ça, la belle démocratie française, c'est le peuple qui a le pouvoir, hein, bien sûr, bien sûr. Trop fou est là, mais je sais pas si on l'entend, trop fou, est-ce que tu nous entends ? Trop fou, est-ce que tu nous entends ? Allô, allô ? Non, on dirait que trop fou, il est là, mais il est pas là. Hein. Ou alors il a un problème de micro, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc sur le Discord on a le débat qui continue. Alors ma cousine, merci beaucoup pour l'extrait de Clément Viktorovitch, mais j'ai un doute quant à la possibilité de le diffuser, parce que je sais que Canal+ sont très très chiants avec leur droit d'auteur. Donc j'ai peur que si je diffuse l'extrait de Clément Viktorovitch, la vidéo soit coupée. Donc vous l'avez reposté par ma cousine sur le Discord, la vidéo de Clément Viktorovitch. Donc Conrad Sambon nous dit « Liberté d'expression ne veut pas dire démocratie. C'est exactement le fonctionnement d'une démocratie représentative. Nous, citoyens, vivons en état de droit pendant que nos élus exercent la démocratie. » Gilet nous dit « Bon, il est quand même pour la cordialité avec le FN qu'il considère digne de débat démocratique, le Clément. Il a même dit que Martinez n'était pas blanc comme neige. On appréciera les références à la couleur de peau dans ses rapports avec le FN. Stop quoi ?» Alors je sais pas, j'ai pas vu cet extrait-là de cette vidéo-là, donc je ne sais pas. Conrad Sambon nous dit « Donc, en état de droit, nous avons la liberté d'expression, mais vu que nous sommes en démocratie représentative, nous n'avons pas le pouvoir démocratique. » Voilà, je pense que c'est bien résumé. C'est bien résumé. On a certes la liberté d'expression, mais comme le disait Steve Mack, il ne faut pas oublier cette phrase qu'on entend souvent, la formule. Hein. On connaît la formule, nous dit-il. « La dictature, c'est ferme ta gueule. La démocratie, c'est cause toujours. Normalement, ça devrait être pour rire. Le problème, depuis longtemps déjà, c'est que beaucoup de supposés démocrates se contentent très bien de la formule « causer toujours ». C'est vrai. Et c'est vrai, 30 ans que ça cause dans le vide. » Voilà, c'est pas faux. Hein. On parle beaucoup. On a le pouvoir de parler, ça c'est clair, hein, effectivement. J'ai le pouvoir de faire mes émissions. A priori, j'ai jamais été...
emmerdé par qui que ce soit dans le cadre de mon travail, hein. Enfin, on va dire que j'ai jamais été interdit de m'exprimer, interdit de faire les émissions, mais est-ce que justement c'est pas là-dessus que repose la démocratie française actuelle? Est-ce que c'est pas justement sur ce côté, voilà, vous avez le droit de voter une fois tous les 5 ans pour le président, et le résultat, vous avez le droit de blablater. Mais entre les deux, c'est le président et le gouvernement qui décident de tout. Voilà, qui décident de tout. Hélène dit qu'elle est choquée. Est-ce que c'était parce que tu as entendu là, de France Inter, donc l'absence donc, de diffusion de ces clips, de ces spots pour ADP? Non, c'est vrai que c'est extrêmement choquant, surtout quand on sait que, voilà, encore une fois, c'est quelque chose qui est prévu par la Constitution, qui devrait normalement nous permettre de faire valoir notre volonté, nos droits. Et bien, c'est interdiction sur le service public qui est financé avec nos impôts, ne serait-ce que d'en parler et de diffuser des spots. Voilà, c'est faire de la pub pour la privatisation de la Française des Jeux, ça choque mes convictions politiques, avait réagi Patrick Kanner, puisqu'ils avaient par contre diffusé des pubs pour la privatisation de la Française des Jeux, hein, pour participer à la privatisation de la Française des Jeux. Donc en fait, le service public, les médias publics, c'est pas pour nous, c'est pour le gouvernement uniquement, c'est à l'usage du gouvernement, c'est pas à l'usage du peuple, hein, ça faut bien en avoir conscience également, puisque quand c'est pour faire la promotion de la privatisation de la Française des Jeux, là, les spots passent, il n'y a aucun problème. Mais par contre, surveille ton langage, s'il te plaît, me dit Kael. Désolé, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais je suis un peu énervé. Mais effectivement, par contre, pour faire la promotion d'un référendum d'initiative partagée, d'initiative parlementaire, là, on n'a plus le droit, c'est choquant, on n'a pas le droit d'en parler sur le service public, c'est quand même délirant. Alors, trop fou, là, on t'entend un petit peu, je ne sais pas si c'est bon cette fois. Ah, désolé. Non, c'est bon, là. Il n'y a pas de souci, ouais, j'ai envie de t'écouter, trop fou. Ça fait une heure et demie que je parle, en plus, je suis enrhumé, c'est difficile pour moi, donc si tu peux me faire la conversation, ce sera avec grand plaisir. Bah oui, mais je pense que tu as tout dit. C'est quand on pose la liberté d'expression, donc la liberté de bavardage, la liberté de donner ses opinions, on est juste dans un état de droit. Quand tu parles d'aller élire tous les 5 ans, tous les 4 ans. Ouais, c'est Conrad Sambon qui faisait cette distinction entre démocratie et état de droit. État de droit, oui. Alors, dans un état de droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des lois, il y a des règles établies et que. Oui, tu as le droit de parler, tu es protégé, tu as le droit de parler dans des limites, dans les limites qui sont organisées par la loi, mais ça n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est tout autre chose. Alors, on peut y mettre une représentativité. Tu sais ce que j'en pense, moi, de la démocratie. Je pense que, avant d'aller chercher des solutions, il faut juste se concentrer sur le fait que nous sommes dans une république représentative. C'est pas mes termes. Moi, c'est les termes de Bernard Manin. Vous pouvez lire, c'est quelqu'un de très, très sérieux. Pour lire ses bouquins, et voilà, quoi. Donc il démontre par les textes de loi, par ce qu'il connaît, par la philosophie, parce que ce que les Grecs pensaient être démocratique, que nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes juste dans une république d'état de droit, et que voilà, la 5e République achève le fait qu'on ait pu rêver d'une démocratie avec quelques textes. Bon, par exemple, le 49.3. Alors, je comprends qu'on ait tous la gueule de bois ce soir. Je comprends qu'on soit tous dépités. De toute façon, cette loi, elle est passée. Cette réforme, elle est passée, quoi qu'il arrive. Le 49.3, qui avait fait ton émission la dernière fois, c'est combien, 88, 89, on n'a pas réussi à se mettre d'accord. 89 fois. Là, c'est la 89e fois. Voilà. 89e fois. Pompidou l'a utilisé des 59. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'un an après l'écriture de la Constitution, on utilisait déjà 49 ans. Alors, peut-être pour d'autres raisons. Mais quand même, on est quand même dans un déni de ce que même eux appellent la démocratie représentative. Alors, en effet, pour des raisons qui ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire que quand Pompidou l'utilise, il y a une histoire d'Algérie qui est encore sous. La France, il y a aussi l'histoire des retraites.
la création de la sécurité sociale, il fallait faire passer ces choses-là quasiment de force. Donc c'est, on n'est pas, mais même c'est pas des bonnes raisons. C'est pas des bonnes raisons. C'est pas passer les lois contre la volonté du peuple. Et que si on, alors c'est, voilà, je vais en revenir parce que là je digresse totalement. C'est juste pour vous rassurer, pour vous dire, n'ayez pas trop la gueule de bois, ne soyez pas trop en colère. C'était pas la première fois que on l'utilise. Le dernier en date, c'était Valls. Donc, il n'y a pas de. Allô voilà, attendez. La loi travail, la loi El Khomri, ouais. La loi Macron aussi, d'ailleurs, hein, déjà à la l'époque. Macron, c'est pas son premier 49-3. Hein. Ouais. Salut Marcus, salut à toi. Ah, bienvenue. On t'entend bien, ouais. Oui, la loi Macron qui s'est transformée en loi El Khomri. Donc, voilà, on sait d'où viennent ces gens-là. Cette loi Macron imposée par le 49-3 par Valls était farouchement. Décrié par un ancien maire du Havre, Édouard Philippe, s'il me semble, si je ne dis pas de bêtises, bah, tous ces gens-là n'étaient pas d'accord pour 49-3. Quoi. Donc, bon, c'est toujours quel côté du manche tu tiens, tu vois. Donc, on en est là en réalité. Et j'en parlais tout à l'heure avec Yann, avec Gilles Akayan, et en réalité, ce qu'on doit comprendre, c'est que dès le troisième article, on nous explique que le peuple est souverain, que sa souveraineté s'exerce par ses représentants. Et Jean-Jacques Rousseau, qui est un des pères de la démocratie de la Révolution française, nous explique qu'au moment, un peu à la CIS, hein, qu'au moment où le peuple, où le souverain se donne des représentants pour le représenter, il perd tout pouvoir. La représentation n'est plus du pouvoir du peuple, il n'y a plus de souveraineté dans ce qu'est la représentation. Et quel que soit le représentant, même si c'est le plus vertueux, celui qui va te représenter au moment où tu cèdes un de tes pouvoirs, c'est que tu n'as plus ce pouvoir-là. Au moment où tu acceptes que ton pouvoir soit mis en place par quelqu'un qui va te représenter, c'est que tu n'as plus ce pouvoir. Tu es sous tutelle. On est sous tutelle, voilà. Donc j'ai fait un long monologue, mais voilà, comment s'en sortir? Bah, premièrement, hein, ne plus considérer cette république, cet état de droit comme étant une démocratie, mais bien comme une république représentative. Ne pas penser que c'est un coup dur. Alors on n'est pas on peut estimer que c'est comme un coup d'État, puisque le ministre débarque à l'Assemblée nationale, c'est lui-même, comme tu le disais, ça qui est drôle. C'est de mettre fin au débat parce qu'il n'y a pas de débat. Ou alors mettre fin au débat parce qu'il y a trop de débat. Ou alors, mais on se perd. Si quelqu'un arrive à m'expliquer comment il s'en sort là-dedans, bon, pour moi c'est très complexe. Il y a un côté un peu cours de récréation, quoi. C'est allez les enfants, on siffle la fin de la récré, maintenant c'est fini. Hein. On arrête de rigoler. Voilà, vous avez assez fait semblant de débattre. Maintenant, place au vrai débat, c'est-à-dire la fin du débat, quoi. Mais je ne comprends pas non plus. J'ai suivi un petit peu les débats à l'Assemblée. Je vous avoue que c'était souvent ennuyant, mais non, il y avait des choses qui étaient pertinentes. Il y avait des questions qui ont été relevées, où on a pointé des dysfonctionnements dans cette loi, où on a pointé des faiblesses. Mais ils avaient déjà mis fin à la commission d'études de ce texte. Ils avaient déjà mis fin au bout de 15 jours. En gros, le texte n'a jamais été lu du début jusqu'à la fin par quels que soient les députés, soit ceux qui sont en commission, soit ceux qui sont en séance. Le truc, c'est qu'en effet, ils ne voulaient pas qu'il y ait de débat. Parce que c'est quand même, voilà, de 46 à 2020, on est à 75 ans, presque à 80 ans. C'est une loi qui existe depuis 80 ans. Est-ce qu'on va prendre un peu plus de temps? Est-ce que 15 jours, c'est suffisant pour discuter de... Oui, et l'esprit de cette loi qui existe depuis, comme tu dis, des décennies, on est en train de le foutre à la poubelle, quoi. Ah oui, exactement. Oui, parce que de toute façon, eux, ils disent non, on n'est pas pour la capitalisation, c'est encore la redistribution, c'est encore la redistribution. Non. La preuve que non, il faut aller voir les pubs que fait AXA. Ça envoie des pubs pour dire, ben voilà, avec les retraites, ça sera plus la même chose.
venez chez nous, nous on va vous ouvrir par capitalisation. Il y a un autre texte sur les cadres qui ne cotiseront plus à la hauteur de ce qu'ils cotisaient avant, et donc ils seront sommés, entre guillemets, d'aller chercher des retraites ailleurs. Eux ont les moyens d'aller cotiser, d'aller souscrire des assurances retraites. Complètement. Sur le fond du dossier, voilà. C'est exactement ça. C'est-à-dire les riches, eux, vont pouvoir cotiser à une retraite, forcément. Hein. Quand tu gagnes 7000 euros par mois, ben, tu peux mettre 300 euros ou plus de côté pour une retraite. Par contre, quand tu es au centime près, que le 12 du mois, tu n'as plus assez pour nourrir tes enfants, etc., où tu vas aller cotiser pour ta retraite ? Non, tu vas aller bosser jusqu'à 67 ans. Et puis, pour avoir 800 euros par mois à la fin, quoi. On va voir apparaître comme en Allemagne, comme en Angleterre, vieux qui mettent des courses dans des sacs plastiques à la sortie du magasin pour gagner quelques petites sous, quelques petites pièces. En plus, tu dis ça, mais voilà, ça existe déjà. Hein, je veux dire, moi, j'ai vécu à Paris pendant longtemps, j'ai vu des personnes âgées fouiller dans les poubelles, faire la manche, etc. Enfin, c'est malheureusement, ça existe déjà. Je parle du travail. Je parle du travail. Qui sont embauchés parce que c'est et le truc, c'est que le principe de cette retraite, c'était véritablement une solidarité. C'est-à-dire qu'on a réussi, dans le monde entier, à avoir le taux de vieux les moins pauvres dans le monde. Il n'y a pas de mystère, quoi, là-dessus. On estime, nous, jeunes, parce que c'est pareil. En réalité, notre plus grand problème, c'est que beaucoup nous parlent contre cette réforme de retraite, mais sans véritablement savoir ce qu'est la retraite, et plus globalement ce qu'a été la sécurité sociale dans l'histoire de France. C'est un trésor national, c'est le patrimoine le plus important qu'on ait jamais eu. Et ils ont eu de cesse, depuis sa création, depuis 1946. Hein. J'ai pas envie de faire de polémique, mais De Gaulle le premier a commencé à Ambroise Croizat avait mis une parité de 60% de corps ouvrier contre 40% de corps patronal. Dès qu'Ambroise Croizat a été viré de son ministère, ils ont fait une première réforme qui les mettait à 55. C'est déjà plus dans le fait que les ouvriers avaient une majorité et pouvaient décider de comment. Je perds les termes, mais d'où les sous iraient. Et ce qu'il faut, en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que dès 46, c'est une confiscation au capital. C'est une confiscation au capital. C'est qu'on va se servir directement à la source du capital pour le mettre à ceux qui ont énormément travaillé de toute leur vie et qui méritent au bout d'un moment de s'arrêter parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils ont autre chose à faire, parce il faut bien que les 10, à l'époque, c'était même pas 10 années, hein, que les 5 dernières années de leur vie, ils puissent les vivre. Et on a résorbé la paupérisation des vieux. Et c'est un truc sympa, c'est un truc de dingue, quoi. C'est au-delà de la réforme qui est mise en place, on est en train de s'attaquer à un idéal, à ce que les gens à l'étranger voient de ce qu'est la France, un pays sûr, un pays où tu peux avoir un accident, mais ça ne te posera aucun problème. Tu trouveras toujours un État solide, un État-providence. Parce que tu vois, on écrit souvent l'État-providence, mais il en faut bien un. Parce que l'État-providence, il est pour les pauvres, il est pour les plus faibles. Les services publics, c'est exactement la même chose. On a eu de cesse de les briser, de les détruire. Mais les services publics, ils sont mis en place pour les plus démunis d'entre nous. Les autres n'ont pas besoin de transports en commun. Les autres n'ont pas forcément besoin d'hôpitaux. Les autres n'ont pas forcément besoin de... Et pourtant, les riches ont aussi... tu vois, ceux qui mettent leurs enfants dans les grandes écoles publiques, les grands lycées publics... de Paris, c'est aussi le système d'impôts, les routes, pour le transport des marchandises. Hein, tu vois, le patron de Carrefour, il a beau jeu de dire « Oui, moi, mes enfants sont à l'école privée, je ne regarde pas la télé publique ou je ne sais quoi. » N'empêche que ces camions, ils roulent sur des routes qui ont été payées avec nos impôts. N'empêche que ces travailleurs, ils sont soignés par les impôts des Français, etc. Tu vois. Donc, il va dire « Oui, moi aussi, je paye des impôts. » On paye tous des impôts. C'est le but, justement. C'est qu'on partage. Ces travailleurs auront une retraite
qui a été qui, a la, qui est due à la solidarité nationale et à la redistribution, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et tu as raison, ils sont sur des routes, tu le dis, ils sont éduqués, ils ont un minimum d'instruction. Si demain ils se font agresser, ils appelleront la police française payée avec les impôts des Français, etc. etc. Voilà, enfin, oui, du pays, je dis de la France, mais ça peut être dans n'importe quel pays, c'est vrai, aux États-Unis c'est vrai aussi. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu rentres dans la logique des libéraux, c'est que eux estiment qu'ils peuvent se payer ces choses-là. À la limite, s'il n'y a plus de police, s'il n'y a plus de route, ben on va faire des endroits où il y aura des belles routes. Et ça existe déjà dans certains endroits. Hein. C'est-à-dire que, je ne sais pas, si vous voyez, il y a des tronçons d'autoroute. Souvent, essayez de le remarquer sur là, des tronçons d'autoroute qui sont sans péage. Et ben regardez s'il y a de l'éclairage. Vous verrez, souvent, il n'y a jamais d'éclairage. C'est souvent des trucs comme ça. Quoi. Oui, voilà. Quoi. Donc, on est... Et puis, la différence entre l'hôpital public et la clinique privée, hein, de manière générale. De manière générale, ou même des écoles privées. Hein. Des écoles privées où tu pourras trouver des classes à 17 élèves. Et l'aberration, par exemple, c'est qu'on t'explique aujourd'hui que ça ne fonctionne plus. Mais on a eu de cesse de faire des coupes. Mmh. On a eu de cesse de rabaisser les budgets. On a eu de cesse de licencier dans la fonction publique, dans la RATP. Et après, on a expliqué qu'il n'y a plus assez d'argent pour financer les retraites. C'est le truc de l'austérité. Hein, on fait de l'austérité, on baisse les budgets partout, ça marche de moins en moins bien, donc on dit bon bah il faut encore faire de l'austérité. Hein. Enfin, c'est la logique de l'Union européenne, par exemple, et des présidents qu'on a eu qui sont succédés. Refaisons de l'austérité, du coup, enfin, c'était la politique d'Hollande. Hein. Plus d'austérité pour peut-être relancer la croissance, et au final, évidemment que l'austérité, ça ne relance pas du tout la croissance, au contraire, ça crée un effet domino où les gens se privent à tous les niveaux. Puisqu'ils ont moins d'argent, il y a moins d'argent en circulation forcément, donc l'austérité ça ne fait qu'aggraver la situation, et effectivement à la fin on dit bon bah regardez, c'est plus finançable, ça ne marche plus, il faut casser tout ça, voilà. Et après l'avoir détruit pendant des années de manière discrète et silencieuse. Et c'est ça qui est dingue, c'est parce que je suis persuadé que parmi eux, certains sont sincères, en disant mais regardez ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, sans prendre en compte que... Et ça a été détruit, quoi. Ça a été détruit petit à petit. Mmh. Et puis, il y a une solution pour la RATP. Si, en gros, aujourd'hui, il explique que tu as 45% d'actifs pour 60% de retraités. Vous allez embaucher. Embaucher les 60% d'actifs qui manquent, et vous verrez, il n'y aura plus de trous. Quoi. Oui, et puis il y a une autre source d'argent de la RATP qui est assez brumeuse. J'avais un peu enquêté là-dessus, alors je suis pas allé très très loin dans mon enquête, mais j'ai jamais réussi à savoir exactement ce qu'il en était. Mais le budget de la régie publicitaire de la RATP, où va cet argent? Tu peux essayer de chercher, mais à mon avis, tu auras du mal à trouver. Moi, j'avais cherché il y a quelques années. Il faudrait que je le refasse là, parce que je vous dire honnêtement, ça fait un moment que je ne l'ai pas, fait. Il faudrait que je regarde. Mais effectivement, à l'époque, j'avais cherché vraiment longtemps et je n'avais pas trouvé où allait cet argent. C'était géré par une régie publicitaire semi-privée. Donc finalement, c'était assez obscur. Et c'est bon, évidemment, tous les gens qui ont pris le métro à Paris savent bien que c'est des au bas mot des dizaines de milliers d'euros par station, par jour, hein, la publicité dans le métro. Donc bus, évidemment. Chaque bus a une affiche. Hein. Chaque couloir de métro, dans les métros, à l'extérieur des métros, dans les couloirs, les stations, les abribus. Enfin voilà, il y a 200 ou 300 stations de métro à Paris. Bon, c'est énorme, hein, le budget. Mais où il va cet argent, on ne sait pas. Alors les abribus, je me demande si c'est pas JC Deco qui... Oui, peut-être, oui, c'est possible. Qui récupère tout ça. Non, mais après, sur les bus, c'est pas JC Deco. Bref, oui, il faudra... C'est la régie pub de la RATP, il faudrait voir. Je vais re-enquêter sur le sujet. Quand j'étais parisien, ça m'avait intrigué, j'avais pas trouvé la réponse. Salut Kaël. Il y a aussi Marcus et Focono qui sont avec nous. Bon, on te laisse parler. Honneur aux dames, Kaël, vas-y. Je suis là aussi depuis longtemps. Qui ça? Binou est là. C'est Marcus, Binou. Ouais, c'est Marcus. Marcus, salut. Et vas-y, honneur aux dames, on te laisse parler en premier, Kaël. Ah non, mais moi, je voulais parler avec vous. Je voulais prévenir aussi... le chat et les auditeurs que tu es malade. Je l'ai dit, ouais, au début. Oui, je sais que tu l'as dit, mais... Pardon. Trop fort, faire tomber.
son ordi. Trop fou, mets ton micro. Et il le fait. Tu ne sais pas t'arrêter, toi. Alors, je dis aux auditeurs au chat de s'arrêter pour toi. D'arrêter quoi? D'arrêter de faire des émissions? Non, d'arrêter de causer jusqu'à 3-4 heures du matin. Ah oui, non, mais là, je vais pas aller jusqu'à 3 heures du matin. Là, encore une heure et dodo. Surtout, oh, que, ouais. Surtout que demain, on va faire toute la nuit. Demain, on va faire toute la nuit donc pour le Super Tuesday. Voilà. Donc, ce sera demain la grosse nuit et ce soir repos pour demain être en forme, justement. Et puis, de toute façon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Tu en as dit le soir même du 49.3. Tu as dit beaucoup de choses. Hein, donc, Oui, mais alors, moi, je voulais juste, oui, je voulais juste rajouter un autre truc un peu plus technique. Hein, c'est-à-dire que. Il n'y arrive pas, il faut qu'il parle, c'est plus fort que lui. On va le laisser parler, après on écoutera Marcus. Non, mais si Marcus voulait dire quelque chose, moi je retiens ce que j'ai à dire et je le dirai après, hein, pas de souci. Hein. Alors Marcus, je sais pas si tu voulais participer, si tu voulais dire quelque chose. Bon, Marcus il rallume pas son micro. Bon, en tout cas tu peux participer quand tu veux. Il y a Focono qui est là également, Focono. Est-ce qu'on t'entend bien cette fois, Focono? Parce que la dernière fois, c'était pas brillant. Effectivement. Ça coupe encore. Approche-toi bien de ton micro. Là, je suis près de mon micro, là. Écoute, ça a l'air correct. Vas-y. Bon, bah déjà, je... Non, on t'entend pas du tout, là. Ça marche pas du tout. Je vais essayer de faire un... coupe, je vais essayer de... Non, ça, ouais, ça fait des réglages beaucoup. Parce que là, ouais, c'est super haché. On entend absolument. Ouais, essaye de voir avec la détection. Essaye de voir avec la détection de ton micro. Essaye de la sensibilité, tu vois, je veux dire. C'est peut-être dans, ça. Ouais. Dans les paramètres. C'est peut-être ça. Soit il faut que tu parles très près de ton micro, soit il faut que tu règles effectivement la sensi, comme le dit Trop Fou. Ouais. Ou sinon, parler très très fort dans ton micro, c'est la sensibilité est faible. Voilà, c'est... Oui, d'ailleurs, j'ai remarqué aussi, Trop Fou, bon, c'est peut-être pas le moment de dire ça, mais puisqu'on parle de sensibilité de micro, que parfois on t'entend un peu faiblement aussi. Là, dans mes émissions, ça va parce que je te règle sur Discord, mais parfois sur Canal Concorde, t'es un peu faible. Alors, je sais pas si c'est ton micro ou si tu peux le pousser plus ou pas. Il a son petit qui dort. Ah, oui, d'accord. Après, oui, voilà, après, ça dépend des moments, ça dépend des endroits où bien sûr, bien sûr. J'ai un petit garçon, et voilà, donc d'accord. J'essaie de faire moins de bruit. Bon, oui. Moi, je voulais juste revenir sur. Ça va mieux, là. Focono. Alors, ouais. Est-ce que ça va mieux là, au niveau du son? C'est faible, c'est faible, mais on. T'entends pas fort, mais ça a l'air continu au moins. Ça a pas l'air de couper. Ouais. Après, vous pouvez le régler. Je te monte de mon côté, ouais. Vous pouvez le régler vous-même. Niveau de... Alors, dites-nous les auditeurs sur le chat, hein, si c'est suffisant le volume. Parce que là, il y a des gros écarts de volume, donc j'ai peur que ça fasse. Ça sature un peu. Ouais, monte-toi vraiment maximum parce que là, c'est super faible. Là, c'est le souci de la table de mixage, t'es pas en radio, donc t'as pas de table de mixage, tu peux pas égaliser les sons. Hein. Ouais, bah il y a le Discord, ouais, bah, là, permet, mais bon. Là, j'ai monté un peu. Alors oui, là, ça sature à mort, du coup. C'est bon, là, c'est bien, non, reste comme ça, Focono. C'est moi qui règle de mon côté, t'inquiète pas. Reste comme ça, là, on devrait être pas mal. D'accord. On t'écoute. Bon. Alors, donc, en parallèle, de ton direct, là, sur YouTube... j'écoutais donc le média qui a commencé son émission juste avant et qui parlait du 49.3 aussi. Ouais. Et donc il y avait, je ne sais pas si vous connaissez, j'ai pas son nom là, la personne qui fait le petit coup de bourbon à tous les coups là, qui a ses entrées à l'Assemblée, etc. Je vais retrouver son nom. Je vais retrouver son nom pour le. Faut le retrouver parce que c'est excuse-moi de te couper, mais ces émissions sont juste d'une qualité extraordinaire. Il faut les voir. C'est le coup de bourbon sur le média et celui qui nous gratifie de ce coup de bourbon hebdomadaire, il s'appelle. J'avoue, son nom m'échappe également. Je vais le retrouver. Vas-y, continue. Je le retrouve et je le donne dans quelques instants. Donc, en fait, là, il était invité sur l'émission du média avec Denis Robert et tout ça. Ouais. Et il parlait donc du 49.3 et il a dit quelque chose de très, très intéressant.
C'est-à-dire que c'est pour ça que je t'ai mis le lien à un moment qu'il y avait deux projets de loi. Il y avait le projet de loi ordinaire sur la réforme des retraites et le projet de loi organique. Et donc, le projet de loi ordinaire, il est concerné par le 49.3. Mais le projet de loi organique, qui ne contient que 5 articles, alors que l'autre, il en contient une quarantaine, une soixantaine, je ne sais plus, il n'est pas concerné par le 49.3. Mélenchon, il a bien compris la faille, et donc, lui, il va continuer à attaquer à l'Assemblée concernant ce projet de loi organique. Mais, d'un autre côté, cet homme-là, donc du petit coup de Bourbon, là, il nous a appris que le Sénat n'examinerait la loi, même si elle passe par le 49.3, le Sénat n'examinerait cette loi qu'après la conférence de financement, qui se termine au mois d'avril. Alors c'est Serge Faubert, le journaliste... Voilà, le journaliste du Média qui fait le petit coup de Bourbon. Je crois que c'est une fois par semaine, effectivement, où il repasse en revue l'actualité parlementaire, politique de la semaine. Voilà, Serge Faubert, journaliste au Média. Donc lui, il a fait son émission, c'était ce soir, c'était en même temps que toi. Ça a démarré à peu près un tout petit peu avant toi. Donc c'est 49.3, le doigt d'honneur. Voilà, c'est ça. Et il faut aller écouter ce qu'il dit, parce que c'est très intéressant. Et donc, lui, il dit en plus que, comme le Sénat ne se prononcera pas sur la loi la loi sur la réforme des retraites, qu'après la conférence de financement qui va se terminer fin avril, et que le Sénat, donc, va commencer ses travaux donc en mai, mais ce que personne ne savait, alors peut-être que Macron il pourra changer les données, mais le Sénat va fermer pendant 3 mois parce qu'ils sont en travaux. Et donc ça veut dire que le projet de loi il passera peut-être qu'en septembre. Alors je devrais pas dire ça parce que comme tout le monde est remonté. Oui. Mais bon, là, on a un petit nombre, mais tout le monde est remonté pour manifester contre le 49.3. Quelque part, Décourager les gens en disant ça, mais en même temps, faut être réaliste, hein, faut être concret. Non, mais justement, faut que non. Justement, parce que c'est exactement, véritablement, avant que tu interviennes, c'est exactement ce que là où je voulais en venir. C'est-à-dire que tu as raison, la loi s'organise en deux volets. Ce qu'on appelle la loi organique, c'est l'organisation de la loi qui met quoi en place, où et comment, et vous avez la loi ordinaire. Qui est les articles de loi qui vont passer. Et dans la hiérarchie des normes, la loi ordinaire, celle qui a été débattue, enfin débattue à l'Assemblée nationale, le ministre, le gouvernement peut y mettre un 49.3, mais sur la loi organique qui contient que 5 articles, il ne peut pas mettre de 49.3. Et comme ils ont bien mis en colère certains députés, attendez-vous que même s'il n'y a que 5 articles, à ce qu'ils fassent durer le plus longtemps possible. La loi ordinaire, elle, devrait passer. Je n'étais pas au courant que le Sénat serait en travaux. Mais la loi ordinaire, elle, comme disait Foucault, devrait repasser à l'Assemblée nationale pour être amendée, débattue, et ensuite revenir à l'Assemblée nationale. La loi ordinaire doit aller au Sénat pour être retournée à l'Assemblée nationale. Et rien que ça, ça nous laisse au moins un mois et demi, voire 2 mois de contestation. Et c'est pas décourager les gens, c'est leur dire il y a encore du temps. La loi n'est pas ratifiée, elle n'a pas encore ratifié. Il y a encore un aller-retour du Sénat à l'Assemblée pour que l'Assemblée, cette fois-ci, n'en débattra pas, mais la ratifiera. Ouais, il y a du combat à faire encore. Hein. Exactement. Voilà, ne lâchez rien, c'est pas la première fois que ça se fait. Il y a des 49.3 compris des mois et des mois. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'Assemblée nationale, ça sera ratifié et tout le monde se taira, comme pour la loi organique, hein, ils pourront la faire durer, mais elle sera, quoi qu'il arrive, elle sera in fine ratifiée, mais peut-être pas au Sénat. Comme la Macronie n'a pas de majorité au Sénat, il y a de fortes chances pour que... Alors, je ne sais pas comment ça se passe avec le 49.3.
pas si Docteur Atmosphère s'impose au Sénat. Là-dessus, je... Ouais, après, c'est compliqué. Moi, je connais pas très bien les lois dans ce domaine-là non plus, mais simplement, c'était une information qui m'est tombée juste avant que tu commences ton live, qu'il y a des visions, là. Et voilà, quoi. C'est pour ça que j'avais mis le lien concernant le fait qu'il y avait deux projets de loi pour la réforme des retraites, et il n'y en avait pas qu'un seul, quoi. Le 49.3 ne concerne pas qu'un seul projet. Le 49.3 concerne un seul projet. Et non pas... Si tu veux deux volets, t'as l'organisation et t'as ce qu'il y a à l'intérieur de la loi. Ouais. Et le 49.3 ne concerne pas l'organisation de qui va mettre en place et qui va décider. Et là aussi, où tu mets le prof au chrono, c'est il y a aussi cette commission de financement. On peut pas voter une loi sans qu'elle soit financée. Voilà. Donc en fait, tout ça reporte tout un tas de trucs. Après, j'en sais rien. Moi, je sais pas comment. Je suis pas devin. Je sais pas comment ça va se terminer tout ça. Mais c'est loin d'être fini. C'est un combat qui est loin d'être fini. Quoi. Je sais pas si tu te souviens, Foucault, du CPE de Villepin, qui avait été passé aussi par un 49.3, qui avait même été adopté, qui avait fait scandale. Il y avait eu de fortes manifs de jeunes. Ouais, mais je mets jamais. J'avais même mis en place. J'avais même manifesté avec les jeunes. À l'époque, j'étais à Tours. Voilà. Et tu te souviens qu'il avait été voté pour dire ben, on est les plus forts, on va le faire comme passer, on va le faire voter. Et puis il n'a jamais été mis en place. Parce qu'il y a une contestation tellement forte, tellement. Ouais. Donc tout est ouvert, les amis. Hein. Tout est ouvert. Il n'y a pas de. C'est pas la fin. Faut pas écouter le fait que. Faut pas croire que c'est la fin des haricots, que c'est cuit, que cette loi est passée. Elle n'est pas encore en application. C'est génial. Je suis vachement contente que vous parliez des solutions. Il y a Goron aussi qui nous dit, je reprends sa phrase, hein, qui nous dit ADP, la retraite, le pouvoir d'achat, etc. Tout ça, ce sont les conséquences. Allons chercher les causes. Oui, mais là, je suis pas tellement d'accord. Tu peux pas mettre ADP et la retraite sur le même point. Quand on parle des retraites, on n'est pas en train de parler de 200 balles par mois. On est en train de parler de fin de vie de nos plus anciens qui ont donné de leur temps, qui nous ont construit les routes, qui nous ont alimentés, qui nous ont... Enfin bref. Et quelque part, si on veut être solidaire, on leur doit bien ça. Quel projet de société on leur propose ? Est-ce qu'on est solidaire ? Est-ce qu'on est humain en se disant, bah voilà, papy, t'as assez bossé, arrête-toi, pose-toi, voilà, et on va travailler pour toi. C'est ça le truc. D'autant plus qu'on est dans une période où la productivité n'a jamais autant augmenté, où on a des machines qui peuvent remplacer les êtres humains sur les projets pénibles, etc., sur les travaux pénibles. Mais voilà, au lieu de ça, on nous dit non, il va falloir travailler jusqu'à 67 ans dans un monde de robotisation, de précarisation aussi de l'emploi, de difficulté pour les seniors de retrouver du travail, de se remettre dans un monde du travail qui ne veut plus d'eux, tout simplement. Donc, en plus, tout ce qui se produit dans l'économie va finalement contre cette idée qu'il faudrait travailler plus longtemps et qu'il faudrait effectivement dire à papy, ben vas-y, pousse encore un peu, travaille 5 ans de plus pour aller jusqu'au bout. Alors même qu'il y a des enfants, des jeunes de 25, 30 ans qui ne demandent qu'à travailler, qui ne peuvent pas. Il y a aussi des seniors de 55 ans qui cherchent à travailler, qui ne peuvent pas, et on leur dit pourtant qu'ils n'auront pas leur retraite complète s'ils ne retrouvent pas un travail au plus vite, quoi. Non, excuse-moi. En parallèle de ça, on a aussi les gens qui terminent en EHPAD et puis qui payent des fortunes pour cette espèce de pseudo-service et qui sont obligés de vendre leur maison. Donc ça veut dire que tout ce qu'ils ont bossé toute leur vie pour s'acquérir un bien immobilier, l'EHPAD coûte tellement cher qu'ils sont obligés de le vendre pour payer l'EHPAD. Il y a même un couple de retraités qui se sont suicidés ensemble pour ne pas que les enfants soient déshérités. Il y a vraiment des scandales avec les EHPAD, comme c'est pas possible.
Tu fais bien de le dire, et au-delà de toi, de cet exemple que tu nous donnes, toi, on arrive à des aberrations, quoi. Des gens qui préfèrent aller se suicider plutôt que de perdre leur héritage. On arrive à des aberrations, on arrive, c'est quelque part, tu vois, c'est. Je veux pas non plus les charger plus que qu'ils sont déjà chargés, mais ils devraient se sentir un petit peu responsables de ces situations-là, de la situation où, ouais, à 50 ans, tu ne trouves plus de boulot, et puis à 55 ans, souvent, ceux qu'on trouve ou qui ne trouvent pas de boulot, ben, ils se retrouvent à la rue. Il faut aller voir le nombre de vieux de SDF, quoi. Ah non, mais c'est dramatique. Hein, et voilà, c'est, encore une fois, tu vois, moi je veux répondre à Goran, c'est quel projet de société on propose pour nos anciens, quoi. Nos anciens, quoi. Moi j'y tiens, véritablement. Si on devait garder que quelque chose dans sa sécurité sociale, peut-être que ça serait pour eux, quoi. Bah, les anciens, autrefois, quand ils vivaient dans le monde rural, dans la ferme, si tu veux, t'avais les. Ils avaient les gens, ils vivaient dans leur ferme, ils avaient des enfants, et ben quand ils devenaient âgés, c'est les enfants qui s'occupaient de la ferme, etc. C'était un suivi, quoi. Mais il y avait toujours les enfants s'occupaient souvent des anciens, et le contact des grands-parents avec les petits-enfants, moi je dis que c'est très important, ça. Mais c'est ma vision de parce que on parle d'Alzheimer, etc. aujourd'hui, mais à l'époque on disait que c'était la sénilité. La sénilité, bah c'est vrai, on perdait la mémoire. Quand moi j'ai connu mes grands-parents, hein, donc bon, ils perdaient un peu les mémoires, ils se trompaient de prénom, etc. Mais c'était pas grave. On arrivait à comment dire, on arrivait à communiquer autrement qu'avec nos parents directs. Oui, puis surtout il y a aussi ce patrimoine, tu vois. Là, on arrive à, par exemple, au dernier résistant de vivant, quoi. Tu vois, je veux dire, il y a quand même un témoignage direct, historique, même si résistant ou pas résistant, mais connu certaines périodes. Et dans chaque société, oui, les anciens ont toujours eu, dans les sociétés les plus primitives, les anciens ont toujours eu une place de choix, ou pas. Bah, tout à fait. Parce bah, qu'ils étaient chargés de notre histoire, et ils sont chargés de notre histoire. Asseyez-vous avec un ancien pendant une heure et discutez avec lui, vous verrez, il aura plein de choses à vous apprendre pour, plus que, ouais. que lors d'un cours d'histoire. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur les sites chimiques, très dernièrement, sur les trucs. Mais comme j'étais un ancien, les jeunes qui étaient grévins, quoi, au fond du monde, peu importe, quoi, et ils voulaient pas que ce soit moi qui fasse l'effort. Ils disent non, toi t'es un ancien, moi je suis un jeune, c'est moi qui fais l'effort de porter la bouteille, de faire les trucs, quoi. Ils voulaient pas. Tu n'as pas cette notion-là avec les Français, quoi. Enfin, avec... Non, c'est pas, tous. C'est pas une question. Ouais, c'est pas une question de français. C'est une question de culture. Moi, je le dis comme je sens. De capitalisme. On est ce système. Ah non, mais ça se passait en France. Hein, je veux dire ici en France. Oui. Ouais, mais encore. Ils sont encore imprégnés d'une culture qui n'est. C'est pas forcément parce qu'elle est ethnique ou une autre religion, mais qui est moins frappé par le capitalisme. Je parle de ces jeunes maghrébins, la plupart de leurs parents ou leurs grands-parents étaient des paysans, quoi. Ils n'ont pas connu cette industrialisation à outrance, cette publicité de partout, cette publicité pour le libéralisme, qui t'invite à consommer, qui t'invite à être toi, à t'exprimer toi, à être dans l'individu, toi. Ouais. Et ça, c'était vrai que tu trouvais en France dans les années. Moi, je me souviens dans ma jeunesse, hein, on portait les courses des vieilles. Les anciennes, on ne les laissait pas porter, tirer leur caddie. Aujourd'hui, tu peux demander à une vieille de lui porter ses courses, mais elle va flipper, elle va avoir peur. Que tu les lui voles, que tu veux dire, parce qu'on n'est plus dans. Ouais, bah c'est ça, ouais. Le libéralisme a eu ses effets pervers là-dessus. C'est-à-dire qu'on est. On est beaucoup, on réfléchit, ben voilà, regarde le truc de mettre nos anciens dans les EHPAD, ben, il y a 50 ans,
inimaginable. Juste inimaginable, même si c'était pénible d'avoir des vieux séniles à la maison. Même des, parfois c'est drôle. Il bon, faut pas non plus enjoliver ou idéaliser, hein. c'est pas évident de s'occuper de quelqu'un qui est enfin. Ouais, mais après, il faut. Bon. Non, naturellement, on a remplacé l'humanité qu'on avait envers nos anciens par le fait de payer des frais à une institution qui va pouvoir s'occuper de la fin de vie et participer. Ouais, mais bon, le problème, c'est qu'en plus, ils sont souvent maltraités, ils bouffent de la merde, et puis voilà. Donc. Et ils payent 2 700 € par mois. Hein. Et puis voilà, ben, ça se traduit par le dernier coup porté par ce gouvernement à encore au plus fragile, au plus faible, à ceux qui auraient besoin de plus d'aide d'entre nous. Ouais, puis il y a cette façon aussi de je veux dire, bon, si tu veux travailler, si tu veux avoir un travail, il faut que tu sois mobile. Il faut que tu puisses aller là-bas, t'installer ici, t'installer là-bas, t'installer à l'autre bout de la France ou à l'étranger ou je sais pas où. Et en fait, tu perds tous tes liens avec ta famille. Tu vois ce que je veux dire ? Avant, les gens, ils travaillaient pas loin. T'avais, le dimanche, tu pouvais aller voir tes parents ou tes grands-parents. T'avais quoi, 50 km à faire, ou peut-être moins, ou peut-être plus, mais... Aujourd'hui, tu peux pas, il faut que tu prennes l'avion. Si tu bosses pas les week-ends, si tu bosses pas le dimanche. Bah oui. Enfin, pour en revenir au sujet des retraites, et je réinsiste, hein, c'est véritablement un projet de société qui est totalement différent. C'est, est-ce qu'on est solidaire ? Est-ce qu'on est tous dans la redistribution, est-ce qu'on est capable de se dire oui, voilà, je vais moi aller travailler pour que les plus anciens, les plus démunis, les plus faibles puissent aussi avoir une vie décente. C'est véritablement ces questions-là. Ou est-ce que c'est chacun pour soi? Parce que là, dans les soirs, on est encore dans la redistribution, on parle de points. Et on vous dit, 1 € vous ouvrira un point. Mais c'est 1 € que je mets moi. Aujourd'hui, c'est pas ça la redistribution. La redistribution, c'est pas les. On a toujours l'impression que c'est les anciens qui ont travaillé, qui ont mis de l'argent dans une caisse pour pouvoir le récupérer plus tard. Le système des retraites, c'est véritablement pas ça du tout. Le système des retraites, c'est les anciens qui ont travaillé, qui l'ont mis dans une caisse, ont payé la retraite de leurs anciens, eux. Et ainsi de suite, c'est une solidarité générationnelle. Et c'est ça qu'on est en train de mettre à bas, quoi. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut réfléchir à un système où il y a une entraide, et arrêter de penser qu'à sa gueule, de penser qu'à son petit patrimoine qu'on va construire, et se dire... Non, mais tu définis bien le problème, hein, trop fou. Les anciens, ils ont participé à tout ce qui a été construit et ce que les jeunes y bénéficient. Donc, c'est normal qu'ils soient solidaires. Hein. Après, voilà. C'est bien dommage ce qui nous arrive avec la retraite. Ce qui nous arrive encore. Parce que même aujourd'hui, les retraites, elles ont déjà sacrément... Moi, je me souviens que mon père, quand il a pris sa retraite, c'était pas du tout le même régime qu'aujourd'hui. Hein. C'était il y a pas si longtemps. Hein. C'était il y a quoi ? Il y a 20-30 ans, quoi. Et ben lui, il avait une retraite comme il faut. Il n'avait pas perdu comme mon père aujourd'hui, quoi. Même dans le régime actuel, hein, je parle. Oui, bien sûr, parce que à l'époque où ton père a pris sa retraite, il était payé sur les 10 meilleures années de sa vie. Voilà. Et au fur et à mesure, on a augmenté, ça a été 10, 15, aujourd'hui c'est 25. Ouais. Et maintenant, ça va être sur toute la totalité. Et on t'explique mathématiquement que oui, vous y gagnerez. Ouais.
Bon, ben, je, bah, on n'a pas fait les mêmes maths. Moi, je ne suis pas très bon en maths. Jusque-là, j'arrive à comprendre que entre les 25 meilleures années de ta vie et la totalité de ta vie, ben, forcément, il y aura une différence. Bon. Alors, il y a Conrad qui demande s'il peut intervenir sur le chat. Oui, tu peux intervenir. Il suffit juste de cliquer sur intervenir en direct, d'avoir un micro qui fonctionne et tu peux participer à la discussion sans souci. Alors, on a toujours pas écouté Marcus. J'aimerais qu'on l'entende un peu quand même, parce qu'on l'a pas encore entendu. Enfin, s'il veut participer, peut-être qu'il veut juste écouter, je sais pas. Bon, écoutez. Alors, pour revenir sur ce 49-3, demain, il va y avoir des motions de censure. Alors, si je peux, je suivrai en direct, même si on connaît déjà le résultat à l'avance, hein, évidemment, mais on suivra peut-être en direct le dépôt de ces motions de censure, enfin, la votation de ces dépôts de censure et ensuite la validation définitive de ce projet. Mais après, comme tu le rappelais trop fou, le CPE à l'époque de Villepin a aussi été passé en 49-3 et finalement, il n'a jamais été appliqué derrière. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de se mobiliser, bien au contraire. Hein. Demain, il faut qu'il y ait une mobilisation monstre, surtout à Paris, pour bien montrer aux parlementaires que le peuple n'est pas d'accord avec ce 49-3, pour le montrer aux parlementaires, mais surtout au gouvernement, que ce 49-3, il n'est pas légitime, il n'est pas démocratique, il n'est pas souhaité, et que c'est simplement une façon pour le gouvernement d'esquiver le débat sur un projet de réforme monstrueusement important, qui est important pour nous tous, puisque voilà, comme on le dit depuis tout à l'heure, ça nous concerne tous, et particulièrement les personnes âgées qui sont quand même les plus fragiles, hein, puisque voilà, elles n'ont plus la force de travailler. Donc c'est à ceux qui travaillent, comme tu le disais trop fou, par solidarité générationnelle, d'assurer leur confort et leur bien-être. Et donc c'est cette logique-là que ce projet de loi est en train de casser, et sans l'accord des députés, directement par un 49-3 imposé par le gouvernement. Voilà. Choubouya nous dit bonsoir. Salut à toi, Choubouya. Et je peux rajouter un truc. C'est même oui, pas une question d'accord. Bien sûr. Vas-y. C'est même pas une question d'accord des députés. C'est juste une question de encore une fois, il y a un semblant de démocratie. Il y avait quand même une chambre qui devait être, soi-disant, la représentation nationale, qui devait peut-être débattre de certains articles. Et même ça, on nous l'a refusé, quoi. C'est-à-dire que même le bout du goût du peu de démocratie qui pouvait exister, on nous le refuse. On en est là, quoi. C'est, le 49-3, c'est véritablement ça, quoi. C'est-à-dire que on savait que ça n'allait pas être ratifié. Mais qu'au moins il y ait un débat, qu'au moins qu'on donne la chance à l'opposition de faire changer ou d'améliorer ou de modérer certains articles. Même ça, ça peut pas être parce que si je dis pas de bêtises, ils se sont arrêtés à 7, 8. Oui, ils sont arrêtés au 8, ouais, c'est ça. Il en reste encore une trentaine. Alors, voilà. Attendez messieurs, on va juste faire une très courte pause et après on va accueillir Conrad Sambon. Conrad, il faut que tu te mettes au casque pour pas qu'on entende l'écho des enceintes et que tu coupes YouTube pour pouvoir discuter avec nous. Voilà, mets-toi un petit casque. On va juste faire une très courte pause musicale et on se retrouve juste derrière pour continuer à parler de tout ça avec Trofou, Kael, Focono, Marcus et Conrad Sambon qui nous rejoint. Donc on va écouter dans quelques instants. Voilà, je vais juste me servir un petit café et on se retrouve dans 10 secondes. À tout de suite. Exactement ce que j'ai fait. Voilà sur Calivision, fin de la pause musicale, bon voilà, même pas une minute, on est bon, on est installé. Je rallume mon micro pour les amis du Discord. Je rappelle que pour intervenir sur le Discord, c'est discord.me/calivision.
On va écouter Conrad Sambon, qui, je crois, a tout réglé, a tout bien fait. Il nous a dit avant le morceau que tout était bon. Donc on va l'écouter, on va l'accueillir et écouter ce qu'il a à nous dire. Je crois que tu voulais nous parler de redistribution, Conrad. Ça fait partie de la discussion aussi. Alors je ne sais pas ce que tu veux nous dire exactement, mais vas-y, hein, c'est la radio libre. Et puis comme l'a dit Trop Fou tout à l'heure, on a parlé longuement, je crois que ça a duré presque 4 heures, hein, l'émission de samedi sur le 49.3. Et on en reparlera sans doute demain après-midi, si je suis dispo au moment où il y a le vote à l'Assemblée. Conrad, on t'écoute. Conrad, on t'écoute. Si ça fonctionne. Oui. Conrad, ça marchait parfaitement il y a quelques instants. C'est étonnant. Conrad, es-tu là ? Tu peux le faire, Conrad. Allô ? Allô, Conrad. Alors, oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais juste... Bonsoir, toi. Préciser... Bonsoir. Ça ne fonctionne pas. Non, on t'entend, là, c'est bon. Exactement. Alors, il faut que Pourquoi tu coupes YouTube, hein, parce que, en fait, tu écoutes... Je crois que tu es en décalage. Là. Il faut que tu écoutes en direct sur le Discord. Je suis là. Voilà. Il faut que tu écoutes sur le Discord, hein, et pas sur... Écoute sur Discord et pas sur YouTube, hein, je te l'écris. Parce qu'il y a un décalage. J'ai un gros décalage de son. Ouais, c'est ça. Bah, t'écoutes sur YouTube, en fait. Sur YouTube, il y a un décalage de 35 secondes ou quelque chose comme ça. Presque une minute même, parfois. Donc, c'est normal. Il faut que tu nous écoutes via le Discord. Et là, tu entendras le son de ma voix. C'est bon comme ça ? Voilà. Bah, écoute, si tu nous entends en direct, c'est normal. Oui, je t'entends, c'est bon. Bon, très bien. Oui, voilà, je t'entends. On y est, très bien. On t'écoute. Alors, bon, bah, excusez-moi. Bon, alors, moi, c'était juste au sujet de la retraite. Quand vous parlez redistribution avec la retraite, ça me gêne un peu, puisque je pense pas qu'elle soit redistributive, même l'ancien régime ou le nouveau qui veulent nous imposer. Ce n'est pas redistributif, puisque tu es pauvre, tu as une retraite de pauvre. Quand tu es un travailleur pauvre, tu vas cotiser, tu auras une retraite de pauvre. Tu es riche, tu cotises, tu auras une retraite de riche. Donc, ce n'est pas redistributif. Ça n'efface pas les inégalités. En soi, pour moi, la retraite, elle n'est pas là pour barrer les inégalités, que ce soit l'ancienne conception, enfin celle qu'on a actuellement ou celle qu'ils veulent nous faire passer. Même si je veux bien entendre que quand elle a été faite dans les années 50, ils avaient pensé à autre chose. D'ailleurs, la CGT précise bien que tous les régimes particuliers, qu'il y avait pour les mineurs à l'époque, mais qui n'existent plus aujourd'hui, ou pour la RATP, c'était des régimes qui voulaient étendre à tous, mais qui n'ont jamais été faits, bien sûr. Ouais. Ça, on peut bien sûr le mettre plutôt pour les gouvernements de droite qui ont empêché ça. Mais voilà, pour moi, ce n'est pas redistributif. Et ça me gêne un peu quand on parle de redistribution avec les retraites. Il y a des cotisations pour les générations, des genres de choses, mais en soi, tu es pauvre, tu restes pauvre à la retraite, et en tant que travailleur, tu resteras pauvre à la retraite. Et pareil, quand tu es riche, bah, tu seras toujours riche à la retraite. Oui, et ça, c'est vrai que le projet actuel ou l'état dans lequel c'était avant, finalement, ne change pas ça. Et c'est pour ça qu'il y a bien le minimum vieillesse et qu'il y a des gens qui ont été pauvres toute leur vie, arrivés à la retraite, ils ne sont pas miraculeusement épargnés par la pauvreté d'un coup. Ah non, justement, exactement. C'est quand même un gros problème, c'est que dans le débat qu'il y a eu depuis 3 mois sur les retraites, c'est quelque chose qu'on n'entend absolument pas. À aucun moment, on a entendu, que ce soit à la gauche, la droite, n'importe quel intervenant, même la France Insoumise, que je suis pourtant beaucoup, n'en parle pas plus que ça. La CGT en a un peu parlé, mais le média en a un peu parlé, mais pas plus que ça. Hein. C'est pas quelque chose, c'est pas un argument qui revient sur le devant de la scène, clairement. Là où je te rejoins pas, Conrad, pour moi c'est redistributif dans le sens où c'est taxé sur le capital. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la sécurité sociale, quand elle s'est imposée, donc le régime de retraite, on a été chercher dans le capital. C'est-à-dire que le brut, c'est du salaire indirect, c'est-à-dire c'est du salaire qui... Mais il a été arraché au capital, c'est-à-dire qu'on a été chercher dans ce que le capital produisait, et on lui a, alors c'est pas le bon terme, attention, hein, je le dis juste par caricature, on lui a spolié quelque chose. En réalité, on a récupéré dans la masse du capital quelque chose qui devait revenir aux salariés, et on les a pas mis dans des assurances, on les a mis dans des caisses de redistribution, c'est-à-dire que ceux qui arrivaient à la retraite et qui n'avaient jamais cotisé bénéficiaient de cette retraite. Donc c'est en ça que c'est redistributif. Là où je suis entièrement d'accord avec toi, c'est que si tu as cotisé pauvre, tu finiras avec une retraite pauvre.
Et de plus en plus, hein, on a des retraités qui sont à 500 balles, 600 balles, au minimum. Puis apparemment, là, le gouvernement, il veut les remédier en les mettant à 1000 balles minimum. Mais c'est en ça que moi, je parle de redistribution. Je veux dire, c'est quand on va arracher au capital quelque chose qu'on va redistribuer. Je suis d'accord avec toi. Donc le problème, il est sémantique, c'est plus sur le mot redistribution. J'entends bien ce que tu me dis. Toi, tu parles d'avoir arraché une partie au capital. Moi, là où je suis pas d'accord, je vais faire un peu mon marxiste, c'est que pour moi, le capital, ça reste quand même… il progresse seulement par le travail des ouvriers, ainsi de suite, ce qu'on appelle simplement la valeur ajoutée. Donc pour moi, c'est simplement reprendre une partie qui nous est due. Donc en ça, c'est pas redistributif, c'est simplement qu'on a arraché quelque chose qui nous était volé. Donc ouais. En ça, pour moi, ce n'est pas une redistribution, c'est juste un acquis. On a réussi à récupérer une partie qu'on nous devait. Quand je dis redistribution, c'est gommer bien les inégalités. C'est, quand je parle redistribution, ça veut dire… Voilà, donc c'est tout. C'est juste un problème sémantique, mais on est d'accord, effectivement. Moi, je suis marxiste comme toi, donc je partage à 100% ce que tu veux dire. Je ne suis pas forcément marxiste, mais j'aime bien cette façon de raisonner, un peu matérialisme historique. Ça, hein. J'aime bien cette façon de raisonner politiquement en prenant aussi bien l'économie que les facteurs sociaux, que toutes ces choses pour essayer d'émettre une vision de la société. C'est très intéressant. Marie-Laure a eu beaucoup d'enfants. Là où tu as raison, Conrad, c'est qu'on n'a pas, on n'a pas continué à j'aime pas ce terme, à taxer le capital, à récupérer dans le capital. C'est qu'on n'a pas, on n'a pas continué, on s'est arrêté. C'est-à-dire que ce que Khalid tout à l'heure disait quelque chose de très très juste, c'est qu'on nous explique qu'aujourd'hui on a un actif pour un retraité et demi. Oui, mais on a un actif qui travaille deux fois plus qu'en 45. 3,5 fois plus depuis les années 70. Voilà, en termes de productivité, oui. Si on avait continué dans la même mesure, on aurait de quoi, pour un actif, payer 3,5 retraités. Mais on a toujours les moyens. On a toujours de quoi. Ah oui, je suis d'accord. C'est les capitalistes qui veulent pas lâcher la grappe. Donc, c'est surtout ça. Il faut c'est leur payer leur rente. Il faut leur payer leur rente et elle augmente continuellement, tandis que nos salaires stagnent. Oui, sauf qu'aujourd'hui, la rente capitaliste, elle est mondialisée. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu veux couper la rente et récupérer, tu peux pas, puisque les acteurs qui récupèrent cette rente, ils sont pas basés en France. Ils vont être basés aux États-Unis ou en Allemagne pour ce qui va être des retraites, enfin les, comment on appelle ça, vous savez, les fonds de retraite, BlackRock et compagnie, par exemple. Mais si aujourd'hui, par exemple, on prenait plus le capital, ces gens, ils s'en foutraient. Je veux dire, un pays comme la France, 2500 milliards, 2900 milliards de PIB, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Rien que BlackRock, ils gèrent 600 milliards. Donc, ils en auront rien à foutre. Il suffirait qu'on leur fait ça, et demain, off, ils nous enlèvent toutes les usines qu'on a en France sur lesquelles ils ont des investissements. Donc, on l'aurait dans l'os. Et ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure de comment on fait pour imposer... nos idées, ne pas subir ces retraites, c'est un gros problème, puisque même ce gouvernement est à la botte, je pense qu'on est à peu près tous d'accord, à la botte du capital, donc de ces grands financeurs, des banques, ainsi de suite. Et quelle est la méthode d'action pour réussir, même si demain on a un gouvernement élu de gauche, même si c'est Mélenchon qui passe, comment il fait pour pas que demain tous ces investisseurs ils se barrent? Ça, c'est un gros problème, puisque aujourd'hui, tous les investisseurs, tout le capital est mondialisé. C'est-à-dire que si demain, ils ont envie de se barrer d'un pays, ils se barrent. Ils le font déjà d'ailleurs aujourd'hui, hein, pour certains. Et ils le font déjà aujourd'hui en nous prenant les brevets. Hein. On le voit bien à Belfort. Non, en plus, ils l'ont fait pour Tsipras, ils l'ont fait pour Maduro, ils l'ont fait pour en Équateur, ils l'ont fait en Bolivie. Hein. Le seul moyen, ça serait d'influer sur la monnaie et donc du coup sur l'euro. Et pour ça, il ne faudrait pas qu'on ait que l'Allemagne ait... la main forte sur la BCE, et ça c'est un gros problème. Tant que l'Allemagne ne sera pas en accord avec une politique monétaire européenne protectionniste, on l'aura dans l'os. Pour moi, hein, parce que c'est l'ordolibéralisme qui gère à peu près cette finance en Europe. L'ordolibéralisme allemand, c'est un gros problème. C'est qu'en effet, les gens amènent une guerre, hein, ce qu'on appelle la lutte des classes, ils l'amènent depuis longtemps. Ils l'amènent et ils la gagnent. Forcément. Et, ah, et bah oui, il la gagne.
Ouais, ils l'ont gagnée. En fait, ils ne peuvent pas la gagner parce que tant qu'ils ont des ouvriers, tant qu'ils ont besoin d'usines, tant qu'ils ont besoin de créer de la valeur ajoutée, ils ne peuvent pas se passer des ouvriers. Par contre, ouais. idéologiquement, c'est ils l'ont gagnée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grandes manifestations comme dans les années 50, 60, 70 ou 80 avec des millions de personnes dans les rues. Pourquoi ? Parce que moi, je le vois bien quand je discute avec des amis. On commence à parler politique. Oh, t'es chiant, machin, mais non, ça va bien le faire. Quand on dit libéralisme, eux, ils pensent liberté, alors que non, c'est libéralisme économique, c'est-à-dire que c'est la liberté du capital, ils ne voient pas ces choses-là. Et tant que les gens ne font pas l'effort d'aller se renseigner, d'aller chercher des informations qui sont disponibles, hein, avec beaucoup de merde derrière, c'est-à-dire qu'Internet, c'est un peu tout. Quoi. Il y a à boire et à manger. Il faut avoir quand même un bagage culturel derrière pour réussir à démêler le vrai du faux. Et c'est un gros problème aussi. Non, je te rejoins, mais c'est ce que j'allais dire. D'un point de vue idéologique, ils l'ont gagné. C'est plus dégressif que... moi, j'avais vu, je me souviens plus son nom, Maxime ou Mathieu Cochard qui appelle ça la ploutolatrie. On arrivait à idolâtrer les riches, à espérer, rêver de devenir riche un jour. Bah, notre président, il est complètement là-dedans. Parce qu'on a dit aux gens qu'ils pouvaient avoir la même vie, qu'ils pouvaient attendre ça, mais c'est comme le rêve américain, on l'a exporté en Europe, si tu veux. Et c'est quand même une idéologie très destructrice, puisqu'elle pousse tout le monde à vouloir avoir plus. Et du coup, bah, on en revient au fait écologique. Donc, c'est la prédation de l'homme sur la Terre, puisque pour avoir plus, il faut produire plus, et ainsi de suite. Enfin, c'est un cercle vicieux. Le concept de ploutolatrie, trop fou, c'est Maxime Cochard. Là, je vois qu'il y a une vidéo de Vincent Cespedes. Donc, la ploutolatrie, la vénération des riches, de Maxime Cochard. Et effectivement, Macron, il est complètement là-dedans quand il nous dit « J'aimerais que les jeunes rêvent d'être milliardaires ». C'est vraiment l'idée qu'une fois qu'on est devenu milliardaire, ben, on a réussi le jeu de la vie, on est au sommet de la pyramide, et voilà, c'est tout ce qui compte. Qu'il y ait des gens qui ont envie de devenir milliardaires. La pauvreté, c'est pas un problème, puisque les gens n'ont qu'à rêver de devenir milliardaires. Tu vois, la précarité, c'est pas un problème. Montez votre boîte, devenez milliardaire. C'est la réponse à tout, en fait. On peut devenir milliardaire, donc on est libre. Voilà, c'est incroyable. Le mot qu'il ne faut pas zapper, c'est rêver. Rêver d'être milliardaire. Le rêve américain. Le fait d'ajouter le mot rêver, c'est que on est bien dans l'idéologie. On n'a pas besoin de le devenir vraiment. Il suffit juste d'être dans un état donc endormi. A priori, si on rêve, c'est qu'on est plus ou moins endormi. Et rêver dans sa tête qu'on va gagner à l'euro million, qu'on va monter une boîte qui va nous rendre milliardaires. Ça suffit, en fait. Hein, c'est juste... Et puisque quand on pense comme ça... je te coupe, mais quand on pense comme ça, on en vient... à défendre ensuite les milliardaires, parce que finalement si tu rêves d'être à leur place, bah t'as pas envie qu'ils soient taxés, t'as pas envie qu'on leur prenne une partie de leur richesse. Donc même si toi t'es au SMIC et que tu rêves de devenir milliardaire, et ben tu vas les défendre parce que tu te dis un jour ce sera peut-être moi, donc j'ai pas envie qu'on mette en place des taxes, qu'on leur interdise d'être milliardaire, puisque moi-même j'ai envie d'être milliardaire. Voilà, c'est cette logique là fait qu'on a des gens très pauvres qui défendent des gens les plus riches du système et leur donnent leur force de travail, leur argent, etc. Et du coup, on en revient à l'idéologie du système à points, parce que ça rejoint exactement la même idéologie. Bah, si je suis riche et que je travaille bien, bah, j'aurai beaucoup de points, j'aurai une bonne retraite. Donc, c'est démarre-toi pour avoir ta retraite. C'est exactement la même idéologie. Exactement. Mais c'est pour ça que moi, je trouvais assez pertinent cette notion de ploutolatrie, de comment on est arrivé à adorer ceux qui organisent notre misère, ceux qui organisent notre insuffisance, là-dessus, je pense qu'ils ont réussi. Hein. Mais là où tu as raison, Marcus, c'est que tant qu'ils auront besoin de la classe dominante, la lutte des classes perdurera. Hein. Il faut juste s'en rendre compte. Il faut juste comprendre qu'elle existe et que voilà quoi. Il faut rien lâcher. Moi, c'est là où j'en veux beaucoup à tous ces anciens partis de gauche qui, avant, par exemple, les communistes, les trotskistes, qui avaient des écoles de pensée, qui formaient les ouvriers, qui formaient le prolétaire à la pensée politique. Aujourd'hui, c'est inexistant, quoi. C'est vraiment inexistant. Moi, je me suis formé tout seul. Moi, j'ai 30 ans, donc je me suis formé tout seul. Personne, aucun parti, rien du tout m'a aidé à me former à ça. J'ai moi-même été chercher les informations. Je me suis pris d'intérêt pour ça. Et je vois bien que ma génération, il y en a très, très peu. À part ceux qui ont fait des études, il y en a très peu. Je suis ouvrier.
tous mes collègues, la plupart du temps, ne connaissaient rien du tout, ne s'intéressaient pas à ça, ne savaient même pas lire leurs conventions collectives. C'est un drame, c'est vraiment un drame. Alors que le mouvement ouvrier, c'est quand même le terreau des avancées sociales en France. Donc que les ouvriers étaient dépolitisés comme ça, c'est effectivement une perte terrible. Et aujourd'hui, c'est même pire, c'est que carrément des ouvriers, il n'y en a plus beaucoup. Les usines ont beaucoup fermé. C'est, voilà, dans l'est de la France, dans le nord de la France, il y a eu aussi la désindustrialisation qui a fait beaucoup de mal. Alors voilà ce que j'aime pas, c'est que vous-même, vous ne vous rendez pas compte, mais... Mmh. Vous dites qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvriers, mais si, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus le terme ouvrier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des techniciens, tu as des employés, de telles choses. On a juste simplement changé les noms, les fonctions. On a fait des différences de salaire. Aujourd'hui, pour 100 euros dans une entreprise, tu as des gars qui vont aller lécher le cul du patron pour 100 euros de différence avec ton salaire et qui ne se prennent pas pour de la merde. Clairement, tout le monde en a déjà vu, tout le monde les connaît. Mais il y en a, ce n'est pas forcément une majorité. Mais c'est un truc qui est... On s'est fait dévoyer... Le sens du mot ouvrier aujourd'hui. C'est ça qui est dramatique. Et les gens pensent qu'ils sont déclassés, qu'ils sont dans une classe supérieure parce qu'ils ne sont pas ouvriers, parce qu'ils ont le titre technicien ou des conneries comme ça sur leur compte. C'est des conneries. Alors que socialement parlant, on reste tous des prolos. 60% de la population, on n'est que des prolos. Des prolétaires, ça, c'est clair qu'il y en a. Bah voilà. Il faut s'attacher à ça. Je te rejoins sur le déclassement, mais je ne te rejoins pas sur le fait que Boulogne-Billancourt, c'était des dizaines de milliers d'ouvriers. Qui se regroupaient, qui se retrouvaient tous les jours et qui avaient ce lieu pour pouvoir se sentir dans leurs conditions, pour comprendre leurs conditions. Tu avais les hauts fourneaux dans le nord, dans l'est, qui ont tous fermé les uns après les autres. Alors moi, je rêve pas que la mine continue à exister, mais la mine permettait justement ces rassemblements. Oui, mais excuse-moi, là tu me parles d'usines qui employaient des milliers de personnes. Quand tu es dans la même entreprise qui a des milliers de personnes, pour les syndicats, c'est très facile de commencer à agglomérer un certain nombre de personnes et de parler politique et qu'ils en parlent à d'autres, ainsi de suite. Et comme ça, ça fait une masse. Mais quand aujourd'hui 90% des entreprises, c'est des TPE et des PME, ça devient très compliqué. Oui, c'est ce que je dis, c'est qu'on a disloqué, on a atomisé tout ça. Exactement. Il n'y a plus d'endroit que Boulogne-Billancourt, moi je me souviens. Il y avait une solidarité ouvrière quand 68 en partie. Hein, c'est Boulogne-Billancourt qui fait gagner des grands avantages. Et quand il y avait un mot d'ordre de grève, il y avait un mot d'ordre de grève. Quoi. C'était les syndicats qui faisaient la loi. Oui, ça a bien changé. Hein. Et aussi une conscience de classe, j'ai l'impression, puisqu'aujourd'hui, il y a des mots effectivement qui ont disparu. Tu parlais du mot ouvrier, on pourrait parler aussi de la notion d'exploitation et d'exploiter, parce que quand on dit exploiter, ça sous-entend qu'il y a un exploiteur. Par contre, quand on dit, comment on dirait aujourd'hui, enfin, on n'utilise plus le mot exploiter, on utilise défavorisé, en difficulté, en fragilité. Mais quand on dit exploiter, c'est beaucoup plus clair. Et tout de suite, on se place dans ce contexte de lutte sociale, de lutte des classes, où il y a des exploités et des exploiteurs. Aujourd'hui, cette conscience, parce que le concept existe toujours, malheureusement, il est toujours très valide et très opérationnel, mais la conscience qu'on est dans une situation d'exploitation par une minorité, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont plus, s'ils l'ont jamais eu, mais qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Dans ce cas, tu diras à ces gens qui lisent leur contrat de travail, parce que dans n'importe quel contrat de travail, c'est bien marqué, alors ça dépend des contrats, des conventions, bien sûr, l'article change, qu'on est subordonné à sa hiérarchie. D'accord ? Donc, la notion de subordination, elle est quand même là, elle n'a jamais changé, elle y est toujours, juridiquement parlant, elle est toujours là, elle est toujours valable. C'est juste que, encore une fois, j'en reviens à ça, du moment que tu offres des statuts différents aux gens, tu les soi-disant surclasses ou tu les déclasses pour 50 euros ou 100 euros de différence, c'est tout. Et ça permet de casser justement cette notion de on est tous ouvriers, de collectif, si tu préfères. Et ça, c'est un... très bien joué de la part des partis de droite, des libéraux, c'est un truc qui est très bien joué de leur part. Et parfois, c'est même pas le salaire, hein. Il suffit juste d'avoir le poste. Ah, exactement, juste la notion de poste, genre toi t'es ouvrier et l'autre est technicien, alors vous faites la même chose, mais l'autre est technicien, alors forcément c'est mieux. Technicien de surface. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, exactement. Ouais, non, des femmes de ménage, aujourd'hui, on dit technicienne de surface, ça reclasse, tu vois. Mm-hmm. On a l'impression, mais le salaire est toujours de la merde, le boulot, c'est toujours de la merde, et tu viens travailler quand les autres sont pas là. Bon, par contre, voilà. Par exemple, à l'Assemblée nationale, les femmes de ménage, elles viennent quand les députés sont pas là, bien avant et bien après qu'ils aient bossé. Mm-hmm.
Ma cousine en parlait au début sur l'inversion des mots. Mais là, tu vois, Cali, tu viens d'utiliser un terme qui est le terme exploité. Et aujourd'hui, on ne parle plus d'exploiter, c'est parce que ça fait partie d'un langage marxiste. Et puis le marxisme, c'est les goulags et c'est l'Union soviétique. Et c'est pas beau, c'est caca. Mais comment tu pourrais être exploité si tu es auto-entrepreneur, par exemple? Qui tu exploites à part toi-même, tu vois, c'est ce genre de mot qu'on a inventé, auto-entrepreneur, c'est ça, c'est pour cacher le fait qu'on est des travailleurs précaires quand on est auto-entrepreneur. Alors, les prud'hommes ont déjà jugé ça, à partir du moment où tu n'as qu'un seul donneur d'ordre, qu'une entreprise par laquelle tu travailles, ouais. Tu es exploité. Il faut requalifier. Les prud'hommes qui ont jugé ça. Ouais. Donc, à partir du moment où tu n'as qu'un seul donneur d'ordre, oui, tu es un exploité. Si tu es auto-entrepreneur et que tu as plusieurs clients, non, là, tu es auto-entrepreneur, tu as ta gestion et tu choisis tes clients. Si tu n'en as qu'un seul, là, tu es exploité. C'est comme si tu avais un patron. Par exemple, pour ceux qui font les livreurs Uber, oui. Des choses comme ça. C'est ce que j'allais dire, justement. La notion d'exploitation, elle se juge juste par le donneur d'ordre. Si tu n'as qu'un seul donneur d'ordre, tu es exploité, effectivement. Mmh. Si tu peux choisir ton donneur d'ordre, c'est plus pareil, puisque tu as un choix. Alors justement, c'est la question du choix qui est importante. Les plateformes type Deliveroo, etc., les plateformes Uber Eats, Uber et autres ubérisations de la société, jouent justement sur le concept et l'idée que non, vous êtes libre de choisir quand vous travaillez, etc. In fine, c'est quand même l'appli qui te donne des ordres et qui te dit va là, fais ci, fais ça, etc. Donc cette situation que je dise pas de bêtises, certes c'était ça leur esprit quand ils ont créé la boîte. Alors je crois que c'est à New York, ils ont été condamnés, ils ont été obligés de faire des contrats pour tous les Uber. Ouais, c'est à Los Angeles, il me semble que c'est à Los Angeles, ouais. Oui, alors je crois que c'est à New York, hein, que ça a été, ils ont été condamnés et ils sont obligés de mettre en contrat tous leurs Uber, puisque ça a été jugé que vu qu'ils n'avaient qu'un seul donneur d'ordre, ils étaient sous contrat d'un employeur. Donc, voilà, c'est 12 septembre. Les Américains arrivent à juger ça. Si nous, derrière, on n'arrive pas à faire le boulot, quand même, on est vraiment pitoyable. Oui, complètement. Alors, c'est la Californie qui a donné aux chauffeurs Uber et Lyft le statut de salarié. Le Sénat californien a voté le 10 septembre 2019 la loi dite AB5 à 29 voix contre 11 qui requalifie les chauffeurs VTC en salariés, leur permettant de bénéficier d'une protection sociale et des droits en découlant. Cette nouvelle législation, approuvée par le gouverneur de l'État mercredi 18 septembre, va provoquer un bouleversement pour les plateformes de transport comme Uber et Lyft qui devront sûrement revoir leur modèle économique. Effectivement, pourquoi la Californie? Parce que c'est en Californie qu'il y a la Silicon Valley, donc ils sont au plus près de ces choses-là, ils sont les premiers à faire les frais de toutes ces merveilles de l'ubérisation, donc ce sont aussi les premiers à réagir et à effectivement affirmer de manière très claire que les travailleurs d'Uber, de Lyft et autres plateformes d'ubérisation sont bien des employés de la plateforme et pas des prestataires libres qui seraient en fait les patrons de la plateforme dans une espèce d'inversion des mots. On en parlait tout à l'heure, 1984, mais il y avait un peu ça. Quand on dit que Uber est votre client et que vous êtes finalement l'employeur d'Uber, ça n'a aucun sens. Uber est une entreprise multinationale, vous êtes un auto-entrepreneur d'un pays du monde, vous n'avez aucun poids, mais pourtant vous êtes censé être, quand on travaille là-dedans, on est censé être les donneur d'ordre d'Uber, ce qui n'a absolument aucun sens évidemment et qui est une inversion de la subordination qui est celle du travailleur envers son entreprise. Exactement, et du coup avoir des cotisations comme tu l'as dit et avoir une assurance sociale et ainsi de suite, on en revient en retraite. Complètement. Voilà. C'est aussi un moyen pour d'avoir des emplois comme ça, de pouvoir supprimer des cotisations sociales, des retraites et d'arrêter le système social. Clomissi nous dit le dernier Ken Loach, Sorry We Missed You, traite exactement de ce sujet. Voilà, je ne l'ai pas vu, donc je donne l'info comme ça. Ok. Je voulais revenir sur les concepts sémantiques. Quand on remplace des mots par d'autres, c'est-à-dire que là, on a utilisé auto-entrepreneur, on a utilisé le mot défavorisé pour. Pour les plus pauvres, oui. Donc les mots qui nous permettent de penser. Donc si on arrive à remplacer subordonné par auto-entrepreneur, tu n'es plus subordonné à personne et tu t'auto-entreprends. Si on arrive à remplacer le terme d'exploité par défavorisé, il n'y a plus personne qui t'exploite, mais tu n'as pas eu de chance, tu n'as pas eu de faveur. Donc tout ça aussi, inconsciemment, ça joue sur nos rapports sociaux, sur nos rapports humains et sur nos rapports
qu'on a personnellement, nous, dans la société. D'ailleurs, on dit défavorisé, mais on dit rarement favorisé pour parler des riches. On dit défavorisé pour les pauvres, mais on ne parle pas de favorisé. Alors pourtant, ils sont favorisés, clairement. Je veux dire, quand on dit riche. Alors, on dit riche, oui, effectivement. Mais finalement, si on parlait de classe favorisée, ça sous-entendrait qu'ils ont des facilités. Ce qui est vrai, hein, quand on étudie un peu le déterminisme social, la reproduction des élites, etc., on voit bien qu'il y a la classe supérieure est favorisée à tout pour être arrangée, tandis que les classes inférieures, enfin la classe prolétaire, elle, par contre, voilà, n'a aucune facilité, aucune faveur. Ils sont donc bien défavorisés, mais par opposition à une autre classe qui, elle, est très favorisée. Dans 84, Orwell, enfin le héros, je ne me souviens plus de son nom, travaille à retirer des mots du dictionnaire. Et Orwell avait super bien ciblé en avance, avant tout le monde, hein, comment, avec peu de mots, on peut peu penser et peu réfléchir. Et quand on pousse ces termes-là, on n'ose même plus parler de capitalisme, on n'ose même plus parler de plus-value, on n'ose même plus parler de d'exploitation, on n'ose même plus parler de tous ces termes. On parle plus. Y a Lepage qui fait un travail extraordinaire là-dessus. J'allais le dire. Dans ses conférences gesticulées, lui explique que, par exemple, on ne parle plus de citoyens, on parle d'habitants. Quand tu es habitant, tu vis là, quoi. Et quand tu es citoyen, tu es décideur dans la cité. Tu fais partie de la cité, donc tu as ta place dans la cité. Et il y a un tas de termes comme ça qui vont jouer sur nos comportements, qui vont jouer sur notre façon, et surtout sur les plus jeunes, hein, d'appréhender le monde. Il y a que si tu veux construire un concept, si tu n'as pas les mots, il t'est impossible de construire ce concept-là. Si tu veux penser l'exploitation sans le terme exploitation, c'est quasiment impossible. Nous, on a encore la chance parce qu'on a eu le savoir, encore une fois, des anciens qui nous ont transmis, parce qu'on n'est pas loin de 68, hein, pour la plupart d'entre nous, on est dans les années 70-80, mais ce n'est pas si loin que ça. Donc, c'est ce que tu disais, hein, comment dire, il y avait tout un pan d'éducation populaire qui se faisait au travers de partis de masse, hein, le Parti communiste, ça a été un parti de masse, mais qui avait son école. Il avait son école, il avait ce qu'il appelait une école centrale à Draveil, je ne sais pas si elle existe encore, mais où on a pu voir des ouvriers finir à au poste d'administration. Par exemple, on parlait de Ambroise Croizat, moi je peux rajouter Marcel Paul ou Maurice Thorez, qu'on était tous les trois ministres dans les années 45, 46, 47, c'est tous des ouvriers. Tous des ouvriers, tous issus de la métallurgie. Donc voilà, donc, à ce moment-là, quand tu peux avoir des gens qui connaissent leurs conditions, qui sont conscients de leurs conditions, qui ont étudié leurs conditions, et qui sont dans le système institutionnel, forcément les intérêts qu'eux vont défendre avec des concepts qu'ils ont déjà assimilés. Aujourd'hui, tu vois, ça devient de plus en plus compliqué de créer des concepts, de revoir la sociologie d'un point de vue purement. Vous voyez le terme de classe, plus personne ne va en parler. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je trouve que Mélenchon, sur sa dernière campagne présidentielle, justement, il a fait un énorme boulot auprès des jeunes et ça revient dans le langage politique, tout ça. Donc. Ça prend du temps, ça vient doucement, mais ça revient. Il y a quand même des gars comme lui qui ont réussi à remettre un peu ça au bout du jour. Quoi. On le voit aux États-Unis avec Sanders aussi. Hein. Il y a une jeunesse qui se dit socialiste au pays du capitalisme quand même. C'est assez incroyable. Oui, enfin, c'est un socialisme... Socialiste à l'américaine, oui. Voilà, bon, gentil, parce que Sanders, s'il se disait vraiment socialiste, il serait déjà en taule, hein, le gars. Donc, oui. Faut pas non plus déconner. Ah, ouais. Et pourtant, les fans de Trump le qualifient de communiste. Hein. Ils disent que c'est un communiste. Donc, ce qui fait rire quand on voit ce qu'il propose, qui est bon, la base du SOCDEM du Parti Socialiste en France. Mais voilà, eux, ils considèrent ça comme l'extrême gauche de l'extrême gauche. Ouais, enfin, là-bas, les gars de droite, quand un patron augmente de 15 centimes l'employé dans une boîte, ça écrit communisme. Alors, bon. Oui, c'est ça.
On va pas non plus se caser sur leur méthodologie, leur système de pensée, parce qu'on va être à l'ouest, je pense. Évidemment. Non, mais juste pour comprendre comment eux le perçoivent, alors que ce qu'ils proposent, c'est la sécurité sociale, quoi. C'est quand même assez léger. Et l'éducation gratuite et l'annulation des dettes. L'annulation des dettes. Étudiants. Ouais, tout à fait. Oui, enfin ça, ils n'ont pas le choix parce qu'ils vont se taper une tellement grosse crise financière que s'ils ne le font pas, ça va nous retomber sur la gueule comme les subprimes. Hein, oui, bien sûr. Il y a $1 trillion de dettes étudiantes impayées, impayables, qui n'attendent que d'exploser, ça c'est clair. La bulle, bulle de la dette étudiante, oui. C'est la prochaine crise, hein, ça. On verra, hein, c'est pas dit qu'elle y soit, c'est même pas dit qu'elle vienne de là. Elle peut venir de tellement d'endroits différents. Elle peut venir très bien de la dette américaine qui est détenue en Chine, sachant que les Américains impriment quand même du dollar à foison sans aucune base réelle depuis des années. C'est quand même quelque chose de connu. Donc la bulle, elle peut péter de partout. Les Chinois ont quand même perdu, en 2013, ils ont perdu 300 milliards en une journée, comme ça, une bulle qui est partie, 300 milliards de dollars qui ont implosé comme ça. Bon, c'est la Chine, ils peuvent supporter, mais... dire si ça nous arrive à nous, c'est une catastrophe, quoi. Dire faut pas oublier que l'État en France, il a que 41 jours de réserve d'avance pour payer les fonctionnaires. Donc il nous faut pas grand chose pour être dans la merde. Oui. Et sachant qu'à chaque fois on s'endette pour finir de les payer, et que du coup ça s'ajoute aux intérêts, etc., etc. Donc on est clairement enfoncé là-dedans comme des sables mouvants. On est pris pieds et poings liés dans cette dette. Ça c'est quand même aussi une belle arnaque. Avec l'Union européenne, hein, j'entends, avec l'obligation de l'Union européenne, on l'a lu là samedi soir, de réinvestir les bénéfices exceptionnels dans le remboursement de la dette. On est dans une espèce de cercle infini où dès qu'on va gagner un peu d'argent, on doit le remettre dans la dette. Et donc forcément, on s'en sort jamais. Donc toi, qu'est-ce que tu voulais dire là-dessus sur l'arnaque de la dette? Le plus scandaleux, c'est que aujourd'hui, on a des taux d'intérêt qui sont négatifs depuis quelques années. Alors que l'État pourrait très bien racheter l'entièreté de sa dette à taux négatif, mais on ne fait pas. Pourquoi on le fait pas? Pourquoi on rachète pas à ton négatif? C'est terminé. Dans 10 minutes, c'est terminé, dit Kael, qui fait la police ce soir. Oui, on va finir vers minuit, un petit peu après. En tout cas, la discussion est vraiment passionnante et je compte faire une émission cette semaine, je pense, sur le travail de Léon de Matisse, qui lui a beaucoup travaillé sur la monnaie, etc. Et lui, il a une vision très radicale, très différente. Donc je pense que ça va vous intéresser. C'est une vision vraiment... d'extrême gauche pour le coup et avec les bons sens du mot, hein, pas le sens américain. Donc et ça va lier surtout ça, l'argent, la dette, le développement social, enfin la redistribution, voilà, je pense que ça va être assez intéressant. Donc on le fera dans la semaine. Lui, il parle de communisme. On en parlera du travail de Léon Matisse. Mais voilà, je pense que ça va t'intéresser trop fou. Je pense Conrad aussi, ça t'intéressera beaucoup et ça intéressera nos auditeurs. C'est Léon de Matisse, je vais vous mettre le lien. Alors c'est une pensée vraiment radicale et différente qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre. Lui par exemple, il n'est pas forcément pour la démocratie. Il considère que la démocratie c'est finalement une continuation du monde bourgeois. Donc c'est intéressant, je ne veux pas trop en dire pour vous laisser travailler ça un peu de votre côté et qu'on en discute ensemble. Je vous ai mis le lien vers son site. Donc c'est leondematisse.net, Matisse M-A-T-I-S, donc le blog de Léon de Matisse, et il y a aussi son site leondematisse.wixsite.com. Donc il a travaillé sur les notions de démocratie directe, de monnaie, d'État, de dictature, etc. Il fait des articles très longs, regardez comme c'est fouillé et dense son travail. Donc voilà, je vous invite à regarder ça, ce sera justement l'occasion d'ouvrir cette fin d'émission sur autre chose et de vous préparer à la prochaine émission sur ce sujet-là. Enfin, ce ne sera pas la prochaine, puisque la prochaine sera demain sur le Super Tuesday et l'élection américaine, justement. Bon, je vous laisse quand même continuer la conversation, on ne va pas s'arrêter tout de suite, sur justement la démocratie. Tout à l'heure, quelqu'un dans le chat, je ne lui ai pas répondu, me demandait... qu'est-ce que ce serait pour toi une vraie démocratie? Et je pense que ce serait une bonne question pour finir. Alors moi, j'ai donné ma version et puis vous me direz ce que vous en pensez. Quelle version vous avez? Moi, je pense que la démocratie, au sens où on l'entend, au sens où le mot, on le prend au sérieux, c'est le pouvoir du peuple. Demos kratos, le pouvoir au peuple. Donc ça veut dire que le peuple doit pouvoir décider des lois, doit voter les lois directement en se passant de représentants. Et aujourd'hui, je pense que technologiquement, on peut le faire, il faut en avoir envie politiquement, il faut qu'on s'y mette, mais pour moi la démocratie c'est ça. C'est pas forcément un système où l'intégralité du peuple participe, mais c'est un système où tous les membres du peuple
peuvent participer s'ils le souhaitent. Ce qui n'est pas le cas actuellement, puisqu'il y a finalement une toute petite partie du peuple qui représente la grande partie, qui la gouverne et qui lui dit comment elle va gagner sa retraite, combien elle va gagner à la retraite, combien de temps elle va travailler, etc., etc., sans que le peuple ait son mot à dire. Donc pour moi, une vraie démocratie, c'est une démocratie où on écrit les lois et on les vote. Voilà, en résumé. Alors, je ne sais pas quelle est votre vision. Ben, Conrad, vas-y. Est-ce que toi, tu as une vision déjà de la démocratie, La démocratie, elle n'est pas éternelle longtemps. Tu peux très bien visualiser une démocratie à l'instant T. Ça ne veut pas dire que pour les générations futures, tu pourras l'imposer. Donc, une démocratie, elle doit être doit marcher avec son temps et avec sa population. C'est-à-dire qu'une démocratie doit pouvoir se remettre en cause. Et elle doit pouvoir changer pour un autre système, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'y a pas de fin en soi. Il faut justement que le système puisse se renouveler en permanence. Donc la démocratie, ça doit être bien sûr le peuple qui doit décider de comment le système fonctionne et si oui ou non, à quel point il veut intervenir. Donc, pour moi, c'est surtout dans le temps qu'une démocratie, elle se juge. C'est-à-dire que ce n'est pas sur on a eu la cinquième, on a eu la quatrième, on a eu la troisième. Donc c'était les changements. Sauf que la cinquième, là, on va se la taper, ça fait quand même 70 ans. Ça fait beaucoup, je trouve. Et je crois que c'est marqué dans l'article 13 ou 14 de la Constitution que c'est justement qu'elle ne peut pas être imposée aux générations suivantes. Et je crois même que c'est Mélenchon qui en parlait dans sa dernière campagne en disant ça, ouais, c'est possible. Donc, pour moi, c'est d'abord ça. Une démocratie, c'est un système qui peut se renouveler suivant les époques et suivant les envies de la population, donc des citoyens. Mais pour ça, il faut d'abord donner une définition de ce que c'est le peuple, la citoyenneté. Et c'est compliqué. Par où on commence ? Est-ce qu'on commence d'abord par un système ? Comment on élit les gens ? Ou comment on désigne les gens qui vont choisir le système ? Après, il faut le proposer au peuple, comment il le vote, dans quelles conditions ? Enfin, ainsi de suite. C'est très compliqué, mais c'est à tout le monde de décider ensemble. Et c'est surtout qu'il ne faut pas être fixé dans une durée indéterminée dans le temps. Il faut justement que le système puisse se renouveler dès qu'il y a un besoin. Voilà. Ok, alors Focono, est-ce que tu veux toi aussi nous donner ta vision de la démocratie ? Oui, non, je ne veux pas finalement donner une vision de la démocratie. On va poser une question. Est-ce qu'une démocratie a besoin de... A besoin de ? D'une constitution. Est-ce qu'une démocratie a besoin d'une constitution ? Bonne question. Bah oui, on va faire une émission entière. Bon, a priori, on dirait plutôt que oui, hein, mais c'est vrai que certains, notamment les anarchistes... voilà, radicaux qui ont une vision assez pure de la chose, imagine un monde sans loi où finalement les humains auraient intériorisé en fait les lois et on n'aurait pas besoin de leur répéter en permanence ce qu'ils ont le droit ou pas le droit de faire, mais que finalement on aurait tous une responsabilité individuelle tellement prégnante, tellement, on serait tellement conscient de cette responsabilité individuelle qu'on n'aurait même pas besoin de loi, on prendrait tous les décisions en bonne intelligence avec le groupe sans avoir besoin de textes de loi qui nous imposerait ça. Après, bon, c'est vraiment une vision. Pour moi, pour le coup, on parlait d'utopie samedi soir. Là, pour le coup, on est dans l'utopie parce que, à part des tout petits groupes, j'ai pas d'exemple de pays de, allez, on va dire plusieurs centaines de milliers de personnes qui fonctionnent sans aucune loi, sans aucun texte de loi, avec simplement des individus tellement exceptionnels qui n'ont même pas besoin qu'on leur impose une loi. Je sais pas si ça existe. C'est comme ça qu'on définit le début d'une civilisation. C'est parce qu'on a réussi à s'organiser et à avoir un texte de loi qui régissait un code pour tous, une façon de s'organiser. C'est un peu si on n'a pas de loi, on n'a pas de constitution, c'est qu'on n'est pas une civilisation. Il faut qu'on ait, toi, tu pensais à ça, à l'anarchisme ? Non, mais c'est... Non, ouais, bah, oui. Ouais. C'est à ça que je voulais en venir dans cette question. L'anarchie, quelque part, pas l'anarchie comme une idée, etc. Hein. Je parle du système de fonctionnement d'une société où il n'y aura pas besoin de loi. Elle peut être très proche de la démocratie ici. Alors, sans constitution. Sans constitution, une démocratie sans constitution et sans loi. Effectivement, on dit souvent que pour avoir une vraie démocratie, il faut un peuple qui soit éduqué, il faut des prolétaires éduqués. Pour avoir une vraie anarchie, je pense que c'est même plus de l'éducation, c'est carrément, ça se joue à un autre niveau. Et je me demande si... pour le coup, le capitalisme a une vision de l'être humain qui est très négative, hein, qui voit l'être humain comme étant un profiteur, quelqu'un qui va toujours se battre pour obtenir plus que les autres, etc.
Peut-être que l'anarchisme, lui, a l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il voit l'être humain comme une créature qui serait capable de s'auto-réguler en permanence, de se responsabiliser et qui n'aurait pas besoin du cadre de la société. Et je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible. Et aussi de s'éduquer en permanence. Et aussi de s'éduquer en permanence, oui. Alors ça coupe, hein, donc je répète ce que tu dis parce que ça coupe, on ne t'entend pas bien. Là, on ne t'entend plus du tout d'ailleurs, donc... Bah là, j'ai pas parlé. Alors. D'accord, très bien. Écoute, merci beaucoup pour ta participation, Focono. Essaye la prochaine fois de trouver une meilleure connexion, peut-être de régler ton micro pour qu'on t'entende un peu mieux. Et peut-être qu'on pourra. Parce que parfois, ça marche bien et puis d'un coup, ça se met à mal marcher. Alors, Kaël, on va te laisser un mot de conclusion également. Et après, on écoutera celui de Trop Fou. Moi, je vois plusieurs présidents, en fait. À part ça, je. C'est-à-dire un conseil de président, tu verrais plus un conseil de plusieurs personnes qu'une seule personne ? Mais des personnes du peuple, hein. Ah oui. Pas des présidents comme on a l'habitude. Et puis... Oui, il serait plusieurs, il serait surveillé. Il y aurait tout un système. Techniquement, on peut. Ah oui, bien sûr. Oui. Les surveiller, etc. Et. Vraiment qu'ils travaillent pour le peuple. Donc, un conseil des sages contrôlé par le peuple et pour le peuple, quoi. Oui, enfin. Sage président. Oui. Un conseil de président. Ouais, c'est une idée. C'est vrai que c'est parfois une idée qui est évoquée de choisir des personnalités exceptionnelles, de créer une sorte de conseil comme ça de personnalités exceptionnelles qui prendraient les décisions en intelligence. Après, c'est pas forcément une démocratie. C'est plutôt une forme d'oligarchie, ça. Ah ouais. C'est-à-dire le pouvoir à plusieurs personnes, mais qui sont déterminées. Différemment, enfin qui sont désignés par un processus, voilà. Bah c'est une démocratie si c'est le peuple qui les désigne. Ah, mais si au final le pouvoir est concentré entre quelques mains, on parle d'oligarchie dans le sens le pouvoir de quelques-uns et pas le pouvoir de l'intégralité du peuple. Ou d'aristocratie comme on dit la dernière fois. Exactement, oui. Dans le sens des meilleurs. Voilà, on choisit les meilleurs et on leur donne le pouvoir. Les plus vertueux. Non, bah, on les représente pas, ceux-là. On va laisser le mot de la fin à Trop Fou, puisqu'il est minuit. Ouais. Ah ouais. Il est minuit pile, ouais. Minuit pile. Non, bah, ça dépend de la question, comment on la pose, c'est... déjà le fait de poser quelle est pour toi la démocratie idéale, non c'est pas pour moi, la démocratie idéale c'est celle que le peuple choisira, ce sera celle-là. Alors, pour moi il y a beaucoup de vecteurs et je suis obligé de faire mon marxisme, alors faut qu'on nous parle d'anarchisme libertaire dans le sens où il y aurait de règles pour personne, où il n'y aurait pas de règles établies, donc pas de constitution parce que les gens seraient en mesure de se respecter les uns les autres. Moi, je pars du principe que pour que les gens soient en mesure de se respecter les uns les autres, il faut une égalité totale. Pour qu'il y ait une égalité totale, il faut abolir le capitalisme, abolir les classes et la scinder en une seule classe. À partir de là, quand on aura créé une seule classe dans l'humanité, c'est-à-dire tous égaux, pas de subordination, on pourra peut-être entrevoir quelque chose de démocratique. Limite sans règles établies, parce que là où Comrade a raison, on ne peut pas imposer quelque chose aux générations futures. Et il faut que si démocratie il y ait, qu'elle soit mouvante, qu'elle bouge tout le temps et que voilà, la prise de décision soit la maximum possible, qu'il y ait la pédagogie dedans, mais surtout, qu'il n'y ait pas de différence vis-à-vis du pognon, qu'il n'y ait pas de différence vis-à-vis des gens qui détiennent et qui ne tiennent pas. Donc ben, ça passe par l'abolition de la propriété privée, par l'abolition du patronat, par l'abolition du salariat, par l'abolition des classes.
Voilà, après moi je suis très très idéaliste hein, mais je pense que là où je rejoins Léon de Baptiste, où tu disais que c'était juste une continuité de création bourgeoise et démocratie, la démocratie telle qu'on la connaît n'est qu'une création bourgeoise qui va continuer à entretenir la bourgeoisie et un système de caste toujours les mêmes qui auront les moyens de s'exprimer. Déjà chez les Grecs, c'était déjà la question. Ceux qui savaient s'exprimer, ceux qui avaient l'art rhétorique, c'était ceux qui avaient les moyens de se payer un percepteur pour les éduquer. Voilà, donc on n'est pas un point de vue égal. Et quand un prolo il a envie de dire merde, et ben un bourgeois utilisera plusieurs phrases pour le dire, mais il le dira pareil de la même manière, sauf que c'est lui qui aura raison. Donc voilà, moi, pour moi la démocratie elle passe par une égalité totale là, pour les individus, pour créer un peuple. Mais il y a tellement à dire, hein. Pour une démocratie idéale, il y a tellement à dire. Et on a déjà fait une émission de 4 heures il y a 2 semaines de ça sur le sujet, c'était « Quelle serait votre démocratie idéale ?» On en a beaucoup discuté et on continuera évidemment à le faire. Donc si le sujet vous passionne autant que nous, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à discuter de tout ça. Prochaine émission, un peu débat philo, économie, politique, ce sera donc avec les travaux de Léon de Matisse. On s'appuiera sur les travaux de Léon de Matisse et éventuellement, pourquoi pas faire une émission avec lui si ma lecture de ses travaux vous plaise et si ça déclenche un débat, ça pourrait être intéressant d'en discuter directement avec l'auteur puisque c'est un de nos contemporains. Donc voilà, ça sera pour la prochaine émission. En tout cas, un grand merci à tout le monde. Conrad, j'espère qu'on te réentendra dans la discussion. C'était très intéressant ce que tu nous as raconté. Donc j'espère qu'on te retrouvera dans de prochaines émissions. Merci à Marcus, Focono, Kael, Trofou. Merci beaucoup à vous pour vos discussions, vos échanges respectueux et passionnants. Merci à tous ceux qui étaient dans le chat, qui étaient nombreux ce soir. Si vous ne connaissiez pas la chaîne, merci de vous abonner pour continuer à suivre ce travail et à me soutenir éventuellement en faisant un don. Les liens sont dans la description. Je vous mets un petit peu de musique et je vous dis, passez une très bonne nuit. Salut à tous. Merci, bonne nuit, Kali. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve demain pour le Super Tuesday en direct à partir de 22h-22h30. Je mettrai une annonce sur la chaîne Calivision.